Bonsoir, Saint-Jérôme! Wow! Yes! Yes! Qui est sorti de prison il n'y a pas longtemps? Qui? Ouais! J'espère... Qui était à Ottawa? Yeah! Liberté! Mais l'arrêt des procédures, c'est nous autres, esti! Ouais! Moi pis mon gars, là, qui est pas allé à l'école pendant 6 semaines, ça a pas servi à rien, esti. N'as-tu pas gonflé? Elle a été détruit, par exemple. Ça, c'est triste. Mais oui, c'est la police. Rappelle qu'on a fait un trip à 3 avec le gars de TVA, c'était génial. Ça, il ne monte pas à LCN. Yves Poirier est travaillant. Il est très travaillant. Honnêtement, j'admire son éthique de travail. Il travaille très, très fort. Mon amour. Salut! L'épisode de cette semaine est une présentation du spectacle d'Adib Al-Khalidé. Ouais. Donc son spectacle s'appelle Québécois tabarnak. Québécois tabarnak. Il non, chante. Non. Oh. C'est autre chose sa musique, puis c'est mieux que ça. Oh, yeah. C'est mieux. Si t'écoutes l'album d'Adib, c'est pas un steak fait. C'est pas. Non. Alors Québécois tabarnak, il y a plein de dates. Va au adibalkalidé.com. Il y a une résidence au Jésus. Puis ça, moi, ouh, merci beaucoup. Ça j'aime ça. Mais Mathieu Bocoté aime pas ça. Pourquoi? Que Mathieu Bocoté, j'ai entendu dire qu'il est en colère qu'un musulman soit en résidence au Jésus. Alors, si t'aimes Adib, va voir Adib. Ou si t'haïs Mathieu Bocoté, va voir Adib! Le pauvre Adib, c'est un de mes grands amis. C'est grâce à lui, en grande partie, si j'ai une carrière. Alors, encourageons-le. Ouais. Pourquoi c'est devenu triste? Je ne sais pas. Ben oui, t'étais mélancolique, soudainement. Oui. Beaucoup plus avec cet homme-là. Mais c'était... Ben... Avec Jésus également. Jésus? Vous avez trouvé ouais, Jésus ensemble. On a trouvé Jésus. On buvait jusqu'à un niveau où Jésus était là. Fait que adibalkalidé.com, les shows commencent. Il est en résidence au Jésus mars-avril 2022. Il va aussi avoir aussi des dates à l'automne. Fait que tenez-vous à l'affût. Tenez-vous à l'affût. Voilà. C'est dit. Mon amour. Yeah. Nous sommes à Saint-Jérôme. Pas le choix. Applaudissez-vous, Saint-Jérôme. Première fois de ta vie que tu viens à Saint-Jérôme? Première fois. Tu sais, qu'est-ce que t'as fait d'autre pour la première fois aujourd'hui? L'anal. Non. 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 T'as mis du windshield washer dans le char? Oui. C'était la première fois de ta vie qui faisait ça? J'ai 33 ans. Oui. L'âge du Christ. C'est une grosse journée, hein? Ça sent bon. Oui. Pour vrai? Je comprends qu'il turcotte. Je comprends qu'il turcotte ça, puis le bout de tuer ses enfants. Mais peut-être pas mélanger les deux. C'est... Séparer, c'est mieux. Séparer, c'est mieux. Mais oui, je comprends. Turcotte, pour ceux qui savent, non. Googlez. Fait, mais moi, j'étais déjà venue à Saint-Jérôme. Une fois, au Buffet des Continents. J'adore les buffets. J'adore les buffets. T'aimes-tu les buffets? Non. Tu goûtes un peu de toutes les cultures. Il faut se lever. C'est terrible. C'est juste à cause de ça que t'aimes pas j'aime ça? J'aime pas ça, me lever. Mais tu prends une petite marche. Oui, j'échappe souvent à mon assiette. Oui. Au sol? Oui. Tu te casses les assiettes? Les assiettes sont toujours trop chaudes. J'aime, ouais. Moi, j'adore. Honnêtement, j'adore les buffets. Mais je sais pas si ça va revenir après la pandémie. Je sais pas si ils ont le droit. Ceci dit, mon highlight du Buffet des Continents, c'est comme un devoir que je donne à tous. Vous devez checker sur YouTube la pub de la fiesta mexicaine du Buffet des Continents. Okay? C'est très simple, je vais vous la résumer. C'est Donald Trump qui est au téléphone avec un général de l'armée. Puis là, il dit, « Oh mon Dieu, ils sont en train de nous envahir et ils traversent la frontière. » Puis là, tu vois sur une map des petits sombreros, OK? Traverser la frontière mexicaine.
puis s'en aller vers le nord. Puis là, ils font « Ah, mais vous en faites pas, ils se rendent jusqu'au Canada. » Pourquoi ils se rendent jusqu'au Canada? Ils s'en vont au buffet des continents. C'est incroyable. Pour la fiesta mexicaine! Ça va une clé. Oui, bravo. Fait que c'est ça. Je pense que c'est ma pub préférée à vie. Hey, sur YouTube, il y a deux versions de la vidéo, mais il y en a une que genre, il y a genre 10 000 vues dessus. Yo, on monte ça, gang. On va tous voir la pub. Et on fait exploser. On fait exploser la pub. On a la pire influence. On pourrait changer les mœurs. On pourrait changer des lois. On pourrait faire que l'école est moins chère. On pourrait faire que dans les écoles, ils font la ventilation. Non, on envoie des clics sur une pub raciste. Puis sur la pub de Sheriffville. Oui. Mon amour, autre élément important, oui. Ce soir à Saint-Jérôme, mon amie Julie est dans la salle. Wow! Mon amie Julie... C'est avec elle que je bommais dans ma vingtaine. Que tu fumais des cigarettes. Oui, beaucoup de cigarettes. Aujourd'hui, on vape, tu sais. Ah oui, c'est vous. Qui vape par applaudissement? Genre, on est quatre. Le woo, c'est trop. Chouette. Le woo, t'es... Je sais pas, le woo. Je sais pas, le woo. En passant, j'admire tous ceux qui vapent qui ont pas applaudi. Ceux qui vivent avec la honte. J'admire ça. Puis, j'aimerais juste vous illustrer un peu. Ah, pour ça, Julie, veux-tu crier, s'il te plaît? Génial. C'est le meilleur cri de tous les temps. On la salue. Julie, elle a pris la décision de venir ici ce soir quand on s'est drunk text mardi passé. Puis, j'aimerais vous résumer la discussion. C'est extraordinaire. C'était un soir que t'étais en spectacle, bien entendu. Fait que j'étais seule à la maison, un peu cocktail, à 9h30. Et voici la discussion entre moi et Julie. Julie, salut. Es-tu game d'envoyer un courriel à un gars pour savoir s'il est célibataire? Génial. Un courriel. Oui. Un courriel. Oui. Elle est super. Ah oui, parce que Julie, on l'a pas dit, elle a 79 ans. Elle envoie des courriels. Alors, je réponds bonsoir. Bonsoir. T'as juste répondu bonsoir à ton elle ami. Elle écrit salut. Fait que moi, je dis bonsoir. Par applaudissement, qui répond bonsoir à un texto? Personne. Bonsoir. Ami, avec que j'envoie qui un courriel, j'ai hein? déjà vu les seins. Comme... Bonsoir. Ouais. Bien sûr que je peux faire ça. Elle dit, je sais, je suis random ces temps-ci. Indicateur qu'elle est seule elle aussi. Alors super, on se lance. Et là, moi, je réponds, j'adore, puis je suis là pour toi. Alors, déjà, c'est tellement drôle, des filles seules. Hey, je t'aime tellement, là. Avec toi, je me sens invincible. C'est juste deux filles seules qui boivent du vin. C'est juste deux filles seules qui font... On est au plus haut que 0,8, on va prendre notre char pareil. Je sais pas, là. Alors, elle dit, je viens de t'envoyer le post sur Instagram. Stéphane. C'est quoi le post sur Instagram? Je suis confus. Ben, elle m'a envoyé un... Attends, là, ça va être expliqué. OK. Fait que là, quand je dis... Quand tu à dis... part ça, tout ça pour un Stéphane. Quand tu dis... J'ai dit, quand tu dis courriel, tu veux dire DM? Parce que là, je me dis peut-être que... Je sais pas, peut-être que t'es trop saoul puis assez mélangé. Elle dit non! Il a pas d'Instagram. Mais dans le post Instagram, il donne son adresse courriel. Fait que je fais OK, je check ça. C'est mêlant. Et là, je dis... T'as pas peur qu'il réponde juste non parce que c'est lame comme approche? Très bonne question. Et là, elle me répond, tu suggères quoi? Avec ce ton-là? Et là, j'ai dit, je sais pas, il a pas d'Insta perso. Puis elle a dit, il est nulle part sur les réseaux sociaux. Et là, vu que je viens de voir le post, je vois que c'est un gars de gym puis que c'est un post de gym. Oh mon Dieu! C'est un gars de gym. Il s'appelle Stéphane. Il a pas d'Instagram. Puis elle veut. Elle veut tellement, man. Elle veut tellement qu'elle saoule. Après qu'elle s'est masturbée en pensant à Stéphane, elle demande à son ami d'envoyer un courriel. Ça, c'est du vrai désir, là. Oh, mon Dieu. Alors, je dis, tu l'as vu au gym? Elle dit, oui, je le vois toujours. Fait qu'il est toujours au gym. C'est un des proprios, je crois. Il est vraiment gêné. Là, j'ai dit, Chris, s'il reçoit un courriel qui lui demande s'il est célib. Célib? T'es qui? Célib! Célib! Qu'est-ce qui se passe? Célib! Oh.
Il va capoter. Genre, c'est pas que je veux pas le faire, mais personne reçoit ça en répondant « Ben oui, madame, je suis célibe. » Imagine, t'as un courriel de job, une infolette d'une affaire que t'as achetée il y a 6 ans, une affaire pour des piles de pénis, une madame que tu connais pas qui te demande si t'es célibe. C'est quoi l'objet? Es-tu célibe? Célibe ou pas? Célibe ou pas? Alors, elle me dit, ben, écris au centre, alors, au gym. Au gym. Tu vas écrire au gym? Vous êtes complètement saouls, les filles. Elle dit, sinon, écris à l'autre proprio du gym. Il va te le dire. Okay. Non, c'est juste qu'ils sont deux. Fait que, tu sais, on peut comme pas. Si, mettons, elle m'utilise pour poser sa question, moi, je peux poser la question à l'autre, puis il pose la question à son ami, tu sais. Comme ça, on est 4 impliqués là-dedans. C'est encore plus fun. C'est incroyable. Quand elle me dit, écris à l'autre, il va te le dire, Stéphano. Stéphane et Stéphano? C'est Stéphane et Stéphano. Stéphane et Stéphano, il y a un gym. Et là, vu que je suis une détective, je dis, j'ai trouvé son email. Et là, en passant, je sais ce qui va arriver. Hein. Quoi? Il y a plein de monde qui vont aller voir le gym de Stéphane et Stéphano. Ouais. Puis qui vont envoyer un courriel et tu célibes. C'est ça qui va arriver. Puis là, ils vont nous haïr, mais c'est correct. Et là, elle me dit, parfait, écris-lui. C'est genre, bien long, quand même. 2 points. C'est moins long de trouver où il habite puis demander, tu me trouves-tu cute? Elle dit, écris genre, 2 points. Stéphano, je sais pas si tu connais mon podcast, mais tu devrais. Une auditrice nous demande de l'aider à déterminer si Stéphane est célibataire. En revanche, on t'offre un gros dildo. Je suis en revanche. Qu'il répondra. C'est tellement sûr. C'est pas ça en revanche. C'est en échange. C'est pas en revanche. C'est pas ça en revanche. C'est mettons, j'aime beaucoup la soupe. En revanche, ça, souvent, ça, c'est mouillé, je sais pas. Là. Mais. Je sais pas. En revanche. Mais là, elle me dit, tu peux même le DM. C'est pas beaucoup d'efforts. Mais là, on se rend compte que son compte Instagram est privé, puis il faut faire une demande, une request d'abonnement. Oui. Chose que j'ai faite. Mais, là, j'ai dit, c'est quoi son username Instagram? Et là, le username Instagram de Stéphano, c'est... Puis je sais pas si je vais le prononcer comme il faut, mais c'est Fanny Dog. Fait que là, dit, alors, écris-lui. Il va avoir beaucoup de demandes. Fait que là, dit, change ton message, écris Stéphano ou Fanny Dog, si tu préfères, avec le même message. Et là, j'ai dit, j'ai fait une demande de follow, et j'ai ajouté, il va me add parce que je suis une mini-star du web. C'est incroyable. Et après, j'ai pris en photo ce que je mangeais. Okay. Derrière, on voit mon ordi, puis je suis en train d'écouter un tutoriel de César 3. Puis là, elle me répond, ton repas semble incroyable, tu fais quoi en fin de semaine? On enregistre un épisode live à Saint-Jérôme, il reste des places, oui, je veux y aller. Et elle est maintenant avec nous ce soir. Wow! C'est incroyable. Merci pour ton amitié, Julie. Julie, t'es la meilleure de tous les temps. Est-ce que à go, on peut dire, je t'aime, Julie? Ah oui, c'est beau. OK, à go, s'il vous plaît, ça va faire du bien. 1, 2, 3, go. Je t'aime, Julie. Puis là. Merci, gang. Merci. Pour vrai, on peut tellement vous embarquer dans une sec, là. on est les prochains temples du soleil. Tu penses? Est-ce qu'il y a beaucoup de travail à hydro ici? Tu sais qu'elle comprenne, je suis content. Ceci dit, suivi, Julie, je ne l'ai pas encore dit, mais Fanny Dog a accepté ma demande. Oh! Ouais. Fait que c'est bien trop fort. Je vais faire un suivi là-dessus. Génial. Sous peu. Sur cette épopée. C'est une grande amitié. C'est une grande amitié. Il faut être là pour ses amis. T'as-tu déjà posé une question à quelqu'un? Oui, j'ai déjà posé une question à quelqu'un. J'ai déjà posé une question à quelqu'un, oui. Genre, non, mais moi, quand je vais au resto. Elle m'a souvent utilisé pour parler à des gars à sa place. Oui. Puis moi, ça m'amuse. Mais moi, m'amener, j'ai pu eu 8 ans. Et là, j'allais voir les femmes moi-même.
C'est ça qui est arrivé, là. Maintenant, moi, j'ai fini de décrire sur un papier, m'aimes-tu, couche oui ou non. Moi, j'aime ça, c'est le fun, c'est amusant, c'est divertissant. J'en doute si pas. Si je vous écris en DM, savoir si vous êtes célibataire, probablement pas pour non, moi. Pas célibataire, c'est libre. C'est extraordinaire. Oh, mon amour. Oui. On le sait pas. On le sait pas, là, j'ai pas encore écrit à Fanny Dog. Fanny Dog, ça s'appelle F-A-N-E-D-O-G. D'accord, tout le monde? Hey, demandez-y. S'il y a une femme, elle est très fâchée en ce moment. Stéphano, parce que beaucoup de gens, oui, parce que beaucoup de gens parlent à son chum. Ben, pas encore. Ah, pas encore, c'est l'autre. Ah, c'est compliqué, je suis déjà mêlée. Ouh. Mon amour, allô? Est-ce qu'on amène notre invité? Amène, présente. Bon, notre invité, bien sûr, on pourrait lui demander s'il est célibre. On pourrait demander s'il est célibre. Mesdames et messieurs, accueillis avec énormément d'amour, Étienne Boulay! Bonsoir. J'étais en train de stalker Stéphano sur Instagram. Génial! Puis, by the way, Julie est où? Julie? OK, Julie, si t'as besoin d'aide pour parler à un gars de gym, I got you. Comment ça va? As-tu croisé une fille au gym? Ben, oui, ça. Oui. C'est quoi ton approche? Au gym, c'est comme un autre écosystème. Je suis complètement d'accord. Au gym, t'es vraiment dans un... T'es comme un personnage. Fait qu'il y a comme un côté comme animal, tu sais, où... Les gars, on est fucked up, OK? Premièrement, à la base, en général. Mais au gym, je sais pas pourquoi, puis à ce jour, je sais que c'est aucunement sexy, mais t'as toujours l'impression que plus t'es fort, plus la fille, elle va te trouver cute. Alors que ça a aucun lien, mais... Cruiser au gym, je pense pas que tu peux arriver avec une phrase genre « Wow, beaux ischios jambiers », tu sais, comme ça, ça passe un petit peu moins bien, mais... Es-tu célibre, c'est une bonne célibre, phrase. Célibre, dans n'importe quelle circonstance, c'est quand même c'est incroyable. Une belle approche. Oh, merci d'être là, Étienne. Ben, je suis content. On est venu à ton podcast, moi et Tom, séparément, c'était vraiment, vraiment cool. Vous êtes comme mon coup de cœur de la dernière année, parce que, comme tout le monde, on se connaît un petit peu via les réseaux sociaux. Puis Tom et toi êtes venus sur mon podcast. Je suis allé sur le tien aussi. Tom, t'as comme 14 podcasts, by the way. Oui. mais je suis bien content. Puis je vous l'ai dit en coulisses, je ne savais pas dans quoi je m'embarquais. À soir, je me suis dit, comment ils font un podcast live, c'est cute, on va être dans comme le fond d'un bar. Puis là, c'est comme une salle de spectacle bookée. Comme avec non, Saint-Jérôme, il niaise pas. T'es un fucking stagiaire, man. Quoi? Le stagiaire? T'es un stagiaire. Le gars, c'est incroyable. Il est... Il y a des crédits scolaires, ouais. OK, on va régler ça, OK? Parce qu'il y a un truc qui est particulier de mon stagiaire, c'est dès qu'une personne rencontre mon stagiaire, ils font « c'est pas vrai ». Qu'est-ce qui s'est passé? Arrête de niaiser. T'es un humoriste? Oui, c'est un vrai stagiaire. Selon vous, c'est-tu le meilleur stage, m'avoir comme stage, ou le pire stage? Ah, je pense que c'est le meilleur. C'est assurément le meilleur. Parce que la première question que j'ai posée, c'est quoi ton mandat? Ouais. Il a jamais été capable de répondre. Ah ouais, t'es stagiaire pour Tom. C'est quoi ta description de tâche? Ouais, c'est ça, j'ai 35 heures à faire. Puis c'est des crédits pour l'école. Ouais, mais qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Fait, il a jamais répondu. Pour l'instant, c'est pas une blague. Tout ce qu'il fait, il vient à mes shows, puis il saoule. Puis il dit, what the fuck? Puis il dit, moi, ce qui est écœurant, c'est que tu dis, OK, c'est à toi. Puis il va, il est comme... Ben, il a parlé 6 secondes, puis il est reparti. Il n'y avait pas comme un message d'intérêt non. public non plus. C'était, il a dit « Yo, what the fuck? » Puis c'était pas mal. Il est sûr que c'est drôle. Ça fait 3 fois qu'il a fait. Ça fait 3 fois que je fais « Je suis pas sûr. » Puis il fait « Non, non, mes avoirs. » Il m'a dit ça. « Mes avoirs. » Comme « Quoi? » Je pense pas. Il dit « C'est une inside. » Mais personne ne connaît. Il dit « Pas faire l'inside avec... » Ça marche pas de même. C'est ça, il faut ta face avec quelqu'un, tu sais. Oui, je t'en fous des qui, pis... Allô? Sauf silence. Ah oh ouais, je suis le stagiaire à Thomas. Oui, c'est vrai que tu commences par ça. Puis il est payé, c'est incroyable. Mais yo, what the fuck, c'est une bonne intro, là. En fait, quand il a demandé, c'est ça, c'est quoi tes tâches, une des choses qu'il a dit, c'est, ben l'autre jour, j'ai présenté Tom sur scène, puis j'ai dit, yo, what the fuck. C'est quand même un gros highlight. Mais j'ai hâte qu'il résume ça à son prof.
T'sais. Mais moi, ce que j'aime le plus, c'est que tous les gens ont les mêmes questions dans le même ordre. C'est tout le temps. Toi, ma chérie. Oui, oui. Tu voulais pas. C'est comme. C'est une raison pourquoi je l'ai faite. À quelle école? Quel programme? Quel professeur a accepté ça? Comme on veut des mais c'est noms. Vrai. Comment t'as fait pour faire passer ça? C'est ça. À ton, t'as-tu fallu que tu parles au prof? Ouais. OK. Hein? Pour que ça soit crédible, genre? Ouais. T'as-tu préparé de quoi? Ou... Il a envoyé un email. Oui, email, commencez à parler. Es-tu célibe? célibe? Oh, puis Steph, au début, elle m'a coaché. Parce qu'elle m'a dit, t'es un stagiaire, là. tu trouves drôle, haha. Mais là, je veux pas que tu perdes le peu de carrière que t'as, là. Parce que moi, je l'ai invité à Deux Princes, puis juste qu'on parle de sa vie sexuelle. Elle m'a dit, dans un cadre scolaire, c'est illégal, fait qu'on fera pas ça. Ouais. Il va aussi, il va venir à couple ouvert puis il va lire une date. Puis c'est comme, je sais pas là, à quel point la prof va triper là, de l'entendre dire. Fait que là, il m'a mis dans le cul, mais là, j'ai eu peur. Puis... Il a rencontré Lisanne. Okay. Il a rencontré Lisanne Nadeau. Je... Oh my God, c'est hot là! Envoyez vos CV, tabarnak! Vous avez rencontré Lisanne Nadeau. Oh, non! Pardonne-moi. Okay. Il étudie en quoi? Je sais pas. C'est pas moi. Je m'en fous. C'est moi, je fais juste ça pour taper sur l'air de Steph puis Philippe Audrey. Ça marche. Philippe Audrey, c'est... il m'a dit, l'école, c'est sérieux. Là. Mes deux parents sont professeurs. C'est que puis j'ai fait, ah, ben raison de plus de l'avoir. Là. C'est trop hot. Ça tape sur l'air à ce point-là. Là. Mais je pense que c'est un programme qui s'appelle genre communication audio, vidéo, audiovisuel. C'est pas ça. Je le sais que c'est pas ça. Non, on oui, sait pas c'est ça. Quoi. Oui, parce que tantôt, attends, on a dit... Julien, ben, attends, monte sur scène nous dire c'est quoi ton programme, s'il te plaît. C'est incroyable! C'est quoi ton programme? Yo, what the fuck? Comment? Le nom de mon programme? Ouais! C'est Hors Lettres et Communication, Option Média. Oh! Wow! Ben merci! Félicitations! Ben, il fallait que tu fasses ton brand. Non, il a compris! Puis il a... Non, non, tout va bien, là. Il a donné une note, puis là, tout va bien. Pourquoi il est extraordinaire? Ouais, il y a trois filles qui capotent. La fille, ben c'est oui. Sa fête il y a deux semaines. Ben oui! Bonne fête! Elle a 30 ans pendant deux semaines. Bon! Étienne, t'as parti une marque de breuvage qui s'appelle Atypique. Oui. Puis c'est des breuvages sans alcool. À goût d'alcool. À goût d'alcool. Fait que toi, t'as le gin tonic, moi j'ai le rhum épicé cola, puis toi, t'as le spritz. Oui. Nice. T'as parti ça parce que t'en parles dans ton podcast, t'en parles avec certains invités, mais t'as arrêté de consommer. Ouais, ça fait 5 ans aujourd'hui. Merci. Aujourd'hui? Ben pas aujourd'hui, mais... À sa fête à elle, il y a deux semaines! C'est le même genre que sa fête. C'est au mois de janvier, mais ça fait maintenant 5 ans que j'ai arrêté de boire. Puis, ouais, je suis super fier. On connaît un beau succès. Le produit est super bon. Puis, il y avait comme un besoin... moi, quand j'ai arrêté de boire, tu sais, tu sors, tu continues de sortir d'un resto, tu fais des trucs, puis à un moment donné, t'es écœuré de boire de l'eau, ou quand t'as bu un espèce de Virgin Caesar, t'as eu un verre de Clamato au complet, ouais. C'est assez. Fait qu'on avait comme un besoin de prêt-à-boire qui goûtait pas l'eau, là. Fait qu'on est bien contents. Très cool. Quand je suis allée à ton podcast, je me souviens, j'avais le Amaretto Sour. Oui. Qui goûte vraiment. J'en ai, hein, si tu veux. C'est vrai. Ouais. Mais ça m'a tellement... Tu sais, quand tu goûtes une gorgée, tu vois comme plein de souvenirs. Là. Génial. Parce que le meilleur ami de mon ex, il buvait tout le temps ça. Puis je trouvais ça tellement étrange, boire du jus au bar. J'étais comme... T'es pas censé d'avoir le sucre dans le tapis à ce point-là. Mais je sais pas, on dirait que c'est un... C'était le pire gars. Fait que c'est normal qu'il y ait les pires amis. Ah ouais, toi, tu sais de qui elle parle, ouais. Pardon? Tu sais de qui elle parle? Ouais, ouais, ouais. Il est terrible. Ah ouais? Il est terrible. Mais il à pas... cause de son choix d'alcool ou... Non, sa personnalité, puis qui... Ah, OK. Ouais. Ouais. Il n'est pas populaire. Il n'est pas capable. Il n'est pas populaire. C'est un artiste, puis ça n'a pas marché. Ça me fait beaucoup de peine. Ils ont essayé, eux autres. Ouais. Ils ont essayé. Il n'est pas populaire. Attends, le compte-tu, ça? Quoi? Le chandail. Quel chandail? Ben là, t'as comme le bras dans le tordeur. Tu sais, OK, génial. Le chandail? J'y vais. Okay. Vous voulez l'entendre? Peer pressure. Mon meilleur ami, Biz, de Le Colocas. Son ex est dans un band. Puis une fois, le colocasse à Musique Plus, Biz, il portait le T-shirt
de, oui! de son ex. Oui! Ouais. Fait que t'haïs tous les t-shirts de Bill. Oui, tous les t-shirts! J'haïs tout ce qu'il porte. Alors voilà. C'était juste ça que tu voulais dire? Puis, oui. Qu'est-ce qu'il y avait de délicat dans cette anecdote-là? Ben, comme, pourquoi t'as hésité? Je sais pas. C'est quoi le nom du band? Non, non, non. Ah! Non, 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 non. C'est juste ça. Parfait, mon amour. C'est quoi ta pire brosse, mon amour? Oh! Je me souviens d'une brosse où j'avais mangé du spaghette avant. OK, oui. Puis j'avais vomi dans ma poubelle IKEA, un peu comme transparente, là. Oh. Tu sais, les poubelles que... En tout cas, il y a bien du monde qui l'ont, là, en tout cas. Puis ça l'avait teinté, ma poubelle. Comme un pot Tupperware? Ouais, exact. Oui, exact, exact. Mais là, c'est un... Oh, wow! Oui, oui, oui. Puis là, le lendemain matin, j'ai vu ça. Puis là, j'habitais en appart, au deuxième. Fait que là, en tout cas, bref, là, va vider ça dans la toilette. Là, je me rends compte que c'est taché. Fait que là, je m'en vais sur le balcon comme nettoyer ma poubelle. Puis là, mon coloc qui sort, puis je fais semblant que c'est tout à fait normal comme activité. Ben oui. De lendemain de party, à de soudainement faire du ménage au point de laver une poubelle. Puis je fais semblant que ça paraît pas du tout là, qu'il y a un gros cerne rouge. Puis lui, il m'a aussi pas posé de questions parce que c'est un homme délicat et gentil. Mais on a toutes fait semblant qu'il y avait pas un cerne rouge dans le fond. De... Ouais, puis je me souviens de l'acidité. Là. Mm-hmm. Quand ça remonte. Oui, exactement. Parce que puis tu sais, quand tu vomis pratiquement couché, tu sais, était à côté de mon lit, puis c'était comme bah. Ouais. Wow. Puis moi, ça, l'affaire, c'est que quand je vomis dans le silence. C'est juste ça, sent ça. Non, mais tu sais, il y a du monde, c'est vraiment genre comme... Genre, toi. Mais moi, ça fait juste sortir tout seul. Je me souviens aussi, à un moment donné, on était ensemble. Je pense que je te l'ai pas dit, parce qu'encore là, c'est humiliant. Mais on était dans le lit, puis je me suis vomi dessus. Mais non! Puis ça l'a tombé dans mes cheveux, puis j'ai fait ça comme ça. Ben... Toi-même! Pourquoi c'est une vraie affaire? Moi, j'ai compris que j'avais un problème d'alcool quand on buvait, elle me suivait, puis elle vomissait tout le temps. Puis moi, j'étais un peu normal. Puis j'ai réalisé, c'est pas bon, ça. C'est pas bon si moi, je me sens super c'est bien, puis elle, tout son système fonctionne plus. Mais toi, est-ce qu'il y a un pire hangover ou ça a été quoi, comme justement la cassure? Oh, shit! Pour vrai, parce que quand Tom t'a demandé c'est quoi la pire brosse, j'ai commencé à spinner, puis par où commencer? Moi, j'ai été super sérieux pendant vraiment longtemps pour percer au foot, puis j'avais cette fibre excessive-là où, tu sais, quand tu bois pas pendant des semaines, par exemple, quand tu bois, ben tu compenses pour toutes les autres fois. Mais comme une de mes pires fois... Yes! Ben oui, hein, on est juste entre nous trois. Oh, oui. on m'invite à Alma, OK, pour aller regarder le Super Bowl, puis je vais avec des coéquipiers que je ne nommerai pas, mais on s'en va là-bas avec une seule mission, et c'est d'aller fêter à Alma. Puis on sort, puis c'est comme le samedi avant le Super Bowl. Je suis arraché en arrivant là-bas, puis tu sais, je consomme toutes sortes de substances. Là, à ce stade-ci, c'était pas qu'il neigeait beaucoup ce soir-là. À Alma, il neigeait en tabarouette. Puis, man, je suis dans le bar. Je pense que c'est le crapaud ou la petite grenouille, quelque chose de même. La petite grenouille. Bon, je savais qu'il y avait une thématique. Fait que j'étais la petite grenouille. Ça lance bien. Ça lance. Et puis, on est quatre gars. Je suis célibataire à ce moment-là. Puis là... Et célibe. Célibe. J'étais célibe. Mm-hmm. Comme Stéphano, peut-être. Puis, à un moment donné, vers la fin de la soirée, il y a une fille qui m'approche puis commence à me jaser. Puis, elle me dit, viens-t'en, on y va. Viens-t'en, on y va. Mais je suis plus là. Mais j'ai la présence d'esprit de faire... Je sais même pas si elle me plaît. Je suis tellement... Puis là, je plisse des yeux, puis j'essaie de voir. Ça me tente-tu ou ça me tente pas, tu sais? Fait que je suis comme... Puis là, je cherche comme un ami, tu sais? Comme, dis-moi juste go ou non, tu sais, comme... Puis, je m'excuse. Fait que, à un moment donné, il vient le temps que j'ai plus le temps de demander l'approbation d'un... Tu sais, ma mère n'est pas là, tu sais, je peux pas... fait que je fais comme... Fuck it, d'accord. J'embarque dans un taxi, puis j'ai comme des petits moments de clarté où je fais comme j'ai aucune idée où je m'en vais. Il fait moins 1000, tu sais, on est au mois de janvier-février à Alma, puis je demande 14 fois au chauffeur de taxi,
c'est quoi ton numéro de téléphone, tu sais, puis répète, puis là je dis à la fille, répète-moi ton adresse, tu sais, puis là je dis, prends-la en note, tu sais, prends comme, souviens, parce que je veux déjà planifier le départ d'un coup que. Fuck, hey, ça part fort, je m'excuse. C'est extraordinaire, non, c'est extraordinaire. Hey, est-ce que c'est bon? C'est propice à ça, hein, votre show? Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Bon, all right. Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. On rentre par l'espèce de porte de côté, puis par la cuisine, puis je me déshabille en rentrant. Fait que je suis nu. Tout est mort. Et comme, ah! Oh, okay, tu sais, c'était comme vraiment... OK. Fait que ça part, puis c'est pas super le fun. Puis ça... Je veux dire, la chimie est pas là, puis ça me refroidit. Puis comme ça me refroidit, je réalise... Elle ne me plaît pas, mais comme vraiment pas. Puis, mais je suis pas comme... Fait que je sais pas comment agir. Puis je dis, hey, comme je trippe pas tant, comme excuse-moi, je suis tout fucké. Je vais juste aller comme à la salle de bain. Puis je mentais pas, comme je planifiais vraiment à la salle de bain. Puis quand je suis sorti de la chambre à coucher, j'ai comme vu tous mes vêtements là, disponibles. Fait que ça a comme fait... Je me suis rhabillé. Puis, je vous rappelle que je consomme. Je me suis sauvé, mais en courant, comme si elle me courait après. Tu sais, puis là, je cours. Ah! Je regarde en arrière, mais elle est comme, elle est pas là, elle me court après, tu sais. Après ça, j'essaie de me souvenir du numéro du taxi. Après, j'ai marché dans les rangs de campagne de Alma pour revenir à l'hôtel. Il y a quelqu'un qui m'a ramassé à un moment donné. C'était. Fait qu'à partir d'épisodes comme ça qui se succèdent, tu finis par te poser la question, parce que quand tu racontes ça à des gens n'ont pas le même genre d'anecdote. Non, il n'y a pas de raison. Peut-être que ma consommation est problématique. Parce qu'entre la personne que j'étais, c'est Dr. Jekyll, Mr. Hyde, là. Mm-hmm. Tu sais, entre les... Quand je suis pas aussi cave que ça, je le suis un peu, mais comme pas tant quand je consomme pas d'alcool. Fait que ça, c'était... Fait que je sais pas si elle m'attend encore, mais... Je suis parti en courant. Ah, oh, ouais. C'était extraordinaire. Ouais. Moi, ça regardant. J'ai regardé en arrière. C'est comme si elle te rattrapé. Exact. Comme si elle a courir vite. Je veux dire, dans la ligue, il te rattrape pas, mais elle, peut-être, elle m'a saoule. Hey, c'est son ouais. Terrain de jeu. Qui ouais, sait, hein? Pour la signer, si jamais elle te rattrape pour les Rough Riders, la Pung ou. Caroline, mais pauvre elle, tu sais, qui fait comme. Ben, fait longtemps qu'elle est aux toilettes, tu sais, où elle entend la porte, puis comme, what? Je pense, j'ai l'impression, j'avance ça. Dans l'état que t'étais. Elle t'a entendu. Oui! Ouais, t'as peut-être un peu de train, ça sortait. Je suis pas super sous de petite souris. Oh, toi, c'est quoi ta pire brosse? Quand je me suis battu avec Adib. Comme une vraie bataille? Ouais. Ah oui! Ah, mais tu l'as dit. Raconte-le. OK. À une époque, Adib et moi, tout ce qu'on faisait, c'était aller dans des soirées d'humour. Ensuite, on allait manger des pâtes, on buvait du vin rouge, on se plaignait que les femmes n'avaient pas le... Pourquoi aucune femme nous donne une chance? On est extraordinaire. Ouais. On est deux gars qui mangent des pâtes en criant dans un restaurant, puis les gens s'en vont de nous. Pourquoi il n'y a aucune femme qui veut nous donner de l'intimité? Ça n'est rien comprendre. Et là, on allait ensuite à la roquette, on jouait au baby-foot, puis on était super agressifs avec le monde au baby-foot. Ah ouais. Ce qui n'est pas un sport qui devrait être agressif. Le nombre de fois qu'on a dû se battre au baby-foot. Ben non. T'as assez. Ben oui, oui, il fallait. Parce qu'il ne suivait pas les règlements. Imposer ta loi. Les règlements. Ouais. C'est quoi les règlements? Tu peux pas donner des coups de même. Faut toujours que tu tiennes. C'est vrai que c'est frustrant, par exemple, si ça arrive. Tu peux pas spinner la... Ouais, la troisième fois, faut que je te pousse. C'est un vrai règlement, là, ça, là. Tu peux pas spinner? Non. Quiconque, quand Adib te dit quelque chose, t'as un règlement. Quand Adib te dit c'est le même, puis il pointe, tu fais ça doit être ça. Ça doit être la règle internationale. Et là, maintenant, cette soirée-là, on était très ivres. Et il pleuvait. Et là, Adib me dit on va prendre un taxi. Puis j'ai dit non! On n'a pas de taxi parce qu'on est des poètes. Ben oui. Fait que là, on a marché. Et là, moi, sur Sherbrooke, je faisais du son des Chris, mais je décrissais pas. Je sonnais, puis je te demande. What's up? Puis elle dit de me tirer par l'arrière. Je dis, qu'est-ce que tu fais, man? C'est ça le jeu! Puis comme, c'est pas un jeu, c'est pas. Et là, j'y criais dans la rue.
Yo, ils sont habitués. C'est normal qu'on soit dans leur porte. C'est écrit dans le bail. C'est écrit dans le bail. Là, on a commencé à se battre. Okay. Parce qu'on avait un différent. Est-ce que c'est écrit dans les baux sur la rue Sherbrooke de que les gens peuvent sonner chez vous à 3 h du matin un mardi? Et là, finalement, on s'est tiraillé. On a réalisé qu'on n'avait pas de cardio. C'est vrai que c'était soufflant. On s'était soufflant, là. Ouais. Puis juste sur notre cœur avait comme les deux, on a perdu. On est rentré à la maison. On a commandé du Miami. On a mangé des hamburgers. Miami Deli. Miami Deli. Sur Sherbrooke. Phénoménal. Ouais. Phénoménal. Absolument. Phénoménal. Oui, vraiment. 24 heures. On a mangé ça, on s'est regardé, puis on a fait faut qu'on se replace. On a réduit notre consommation, on s'est chacun trouvé des blondes, puis quelques mois plus tard, il fait son gala, puis sa carrière partait. Wow. Ouais. C'était comme notre bas, là. T'as été l'élément déclencheur. Ouais. Il s'est vraiment dit je peux plus chiller, Tom, là, faut que je fasse assez d'argent pour trouver un appart, une femme, aussi. On était vraiment un couple à l'époque. Puis j'ai vraiment dit, je peux faire mieux que Thomas Levac. Ouais. La barre est basse. Et voilà. Québécois tabarnak. Québécois tabarnak. Nouvellequalité.com pour cette carrière. Mais un truc que tu as dit aussi tantôt quand on était en arrière, que j'ai trouvé super intéressant, c'est que quand tu étais joueur de football, quand tu avais une carrière active dans le football, quand tu sortais dans les bars, c'était pas l'époque des téléphones intelligents. Sinon, je serais pas ici. Mais ça m'a tellement fait penser à moi, comme à la même époque-ish, ou peut-être un petit peu plus tard, mais enfin, bref. Ça m'a juste fait penser à un moment donné, j'ai croisé Maxime Lapierre au bar L'Opéra à Montréal. Sainte-Catherine, Saint-Laurent. Exactement. Je m'y connaissais. Puis nous, on était justement allés là parce qu'on avait entendu dire qu'il y avait des joueurs de hockey puis des joueurs de football qui sortaient là. Fait que là, let's go, c'est la fête à une de mes amies, pas Julie, une autre amie légendaire avec qui je chantais aussi. Et je me souviens qu'il passe devant moi et là, je pose. C'est incroyable. Puis il était comme allé chercher quelque chose au bar, il repasse, genre pose. Puis là, il passe, encore une fois, mais avec genre la plus belle fille de la Terre. Puis je suis comme, j'ai quand même des chances. Bang. Genre pose. Puis il m'a jamais, mais il a même pas daigné là, me regarder. Puis là, pour ça, j'étais comme, voyons donc, c'est impossible. Puis après ça, j'ai vu les photos de cette soirée-là et j'étais là. T'étais mêlée, les yeux comme ça. Là. J'avais une robe Guess Marciano en ce genre de satin. Puis j'étais blême, mais moi quand je bois, tu sais, moi je suis très sanguine de la face, là, fait que j'étais plaquée avec le mascara qui avait coulé, puis ma robe toute collée. Non, mais puis ce soir-là, tu te trouvais fly, là, tu sais, quand t'es sorti chez vous, là. Je comprenais pas pourquoi un joueur de la Ligue nationale de hockey se retournait pas. Je suis sa prochaine maîtresse. il va payer mon loyer, check ça. Oh, mon Dieu. Mais retomber dans des vieilles photos où tu trouvais que t'as... Écoute, moi, j'ai une photo, je suis retombé sur une photo. La journée où, quand t'es joueur de foot puis que tu veux te faire repêcher... À un moment donné, les équipes vont passer en entrevue. Tu sais, puis il y a présentement le combine de la NFL. Dans la CFL, ils appellent ça le e-camp, le camp d'évaluation. Puis tu es invité là. Puis là, souvent, bien, chaque équipe va faire comme à 13h30, les Argonauts de Toronto veulent te parler. Puis là, tu t'assois, puis tu as tous les dirigeants, puis ils veulent évaluer, tu sais, ce qu'on met sur ce kit-là. Puis j'avais choisi mon kit pour cette fameuse journée d'entrevue. J'avais des jeans comme baggy délavés. Avec des souliers chics bruns pointus. J'ai une chemise trop ample qui n'est pas rentrée dans mes pantalons avec un petit veston serré pour montrer mes muscles. Mais le collet de la chemise qui dépasse. Il fait pas soleil, j'ai des lunettes soleil. Puis là, il y a quelqu'un qui m'a laissé quitter la maison habillé de même en me disant... C'est la journée la plus importante de sa vie. Puis il n'y a pas personne qui a fait comme d'autres. Non. Comme juste, vas-y, simple. Oui, mais chemise. En tout cas, ça a fonctionné pareil, mais. Ouais, tu regardes la photo et tu fais comme, à quoi j'ai pensé c'est ce soir-là? C'est génial. Mais la confiance fois mille, là, tu sais, je pensais vraiment que je l'avais. Mais oh, tu l'as eu.
Oui, oui, ben c'est vrai, à cette époque-là, ça a fonctionné. Pas toi, c'est malheureux. Moi, j'ai... Oui. Je me suis débarrassée de la robe parce que c'était ça le problème, de toute évidence. Elle n'est pas Maxime Approve. Non, elle n'est pas Maxime Approve. Oh. Mais je pense juste à la citrope, excusez-moi. C'est parce que récemment aussi, parce que là, j'angoisse, là, parce que là, on s'en va au Gala des Oliviers, nous autres, bientôt, puis j'ai rien à mettre, puis j'ai juste des vieilles robes de quand je clubais. Puis c'est vraiment gênant. Mais ça! Non, je peux pas. Mais je te l'ai dit, vas-y en brassière. Ben non, j'irai pas en brassière. OK, qui veut qu'elle en brassière? Bon, c'est réglé, puis dis que c'est un statement de quelque chose, là. C'est pour les je t'embrasse hier pour les Autochtones. Ça va passer. Les Premières Nations, ils n'ont pas d'eau potable. C'est pour ça que je t'embrasse hier. Pensez à ça, puis à mes seins. Comme couple 15. Deux. C'est des belles choses à penser. Des belles choses à penser. Comme Mme Brando, c'est génial. Toi, ton look, Tom, comment ça se passe de ce côté-là? Moi, on m'envoie du linge, je le mets. C'est vraiment ça, ma vie. On m'envoie du linge dans la malle, puis je le mets. C'est vrai, en plus. Ouais. Oui, il y a beaucoup de vêtements avec des gagounets qui rentrent à la maison. Oui, c'est des bonnes jokes. Oui, oui, absolument, 110%. C'est terrible ce que je porte. Non. Non, il aime ça. Les gamins sauvages. Mais oui, ben non, c'est beau, je te niaise. Moi, je suis habillée en serveuse de cabane à sucre aujourd'hui. J'ai rien à dire à personne là-dessus. Tu donnes des oreilles de Chris, c'est génial. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand t'allais faire des trucs pour toi et des joueurs de football, vous y alliez faire des games de hockey. Oh, pour... shit. Ouais. J'avais commencé à te compter ça. On avait... aux Alouettes, c'était bien important de s'impliquer dans la communauté parce que, de toute façon, on avait besoin d'attention, là, tu sais, quand dans la même ville que toi, t'as le Canadien, tu vas toujours être deuxième. Mais on avait une ligue de hockey l'hiver. Puis on se promenait dans les régions, puis c'était toujours dans le but d'amasser de l'argent pour un organisme local. Fait que les gars qui étaient en ville, ils les appelaient, écoute, telle date, on part, puis on dormait là-bas. C'était toujours assez loin pour qu'on dorme. Fait qu'on partait en autobus. Fait que c'était tout le côté, le fun d'un road trip, sans le volet pression de performer, tu sais. Ni besoin d'être en forme. Puis les premières années de ce programme-là, c'était vraiment l'équipe Alouette contre l'équipe locale. Mais à chaque fois que tu as des gars en forme, puis on avait des armoires à glace, des gars de 6 pieds 4, 6 pieds 5, on se faisait tester, tu sais, puis ça finissait toujours en semi-bataille, tu sais. Semi? Ben, c'est vrai. Hey, man, on a failli se battre. OK, excusez. On joue une game de basket de charité contre, je pense que ça s'appelait le Matrice de Montréal, qui était l'équipe semi-pro. Oui! À oui! Mais nous autres, on a des gars qui viennent du hood aux States, qui ont grandi dans le basket. Oui. Des gars qui savent jouer en tabarouette. Mais c'est une game avec des enfants. Ah, oh, génial! Ah, oh, génial! Et là, on commence à... C'est très serré comme match. Puis là, je sais pas qui a commencé en premier. Je vais blâmer l'autre équipe, le Matrix de Montréal. Retire leurs enfants pour commencer à runner le score un petit peu. Donc, nous, en tant que gens matures, on fait comme... On retire les enfants aussi, esti. Puis là, ça part, ça se met à jouer du coude, puis ça commence à vraiment poussailler, puis il y a une espèce de tension qui est zéro comme journée de charité pour oui, l'enfance. Oui. C'est comme, c'est zéro approprié. C'est pour financer une bibliothèque qu'on fait ça. Ça s'envoie promener des fuck shit, des voyons. Puis là, il y a plein de jeunes qui sont là, puis c'est pour financer je sais pas quoi. Puis on gagne. Fait que l'équipe qui est supposée être la top équipe de basket, Chris, leur camp, avant la réception, ne nous sert pas la main. Comme les Pistons, ne nous sert pas la main. Ben non. C'est génial. Sauf que là, on se retrouve, c'était terrible comme situation. Fait qu'on ne voulait pas que ça se répète au hockey, vu que ça avait commencé à avoir de l'attention. Fait que finalement, on mixait les équipes. Pour vrai, si c'était ça, les Alouettes, il y aurait beaucoup plus de codes d'écoute. Si les Alouettes, c'est des gars qui ont des choses pas réglées. Ah, mais tu savais à quel point. Mais c'est ça la beauté du foot. Sais pas si c'est ça la beauté du foot. Quand les gens disent qu'est-ce que t'aimes du football, en moi, c'est humilier des enfants. Tu sais, quand tu veux aider une communauté, puis dans le fond, ben tu les émascules. Ouais. Man, ça n'a pas de sens. Mais au foot, c'est qu'on a une soixantaine de gars dans l'équipe. T'en as 46 qui vont être en uniforme, puis t'en as une dizaine sur l'équipe de réserve. Mais c'est du monde qui arrive de tout partout.
avec toutes sortes de backgrounds différents. Il y en a qui ont eu plus de coups à la tête que d'autres. Mm-hmm. Fait que t'as vraiment des estis drôles de bébites, tu sais, puis c'est ultra... C'est un sport agressif, c'est un sport violent. Fait que il y a quelque chose de beau là-dedans où comme personne passe par quatre chemins quand il y a quelque chose qui déplaît. T'sais, c'est pour ça que des fois, aujourd'hui, de nos jours, je suis un petit peu déstabilisé par tout le volet... La politesse. Ultra sensible des propos qu'on doit tenir, parce que maintenant, il faut que tu tiennes compte aussi de comment, si je te dis de quoi, comment toi tu vas l'interpréter, même si je connais pas. Tu sais, comme. Mm. Fait qu'au foot, tu sais, que ça te plaise ou pas, je vais te dire ce que je pense, même si ça n'a pas de bon sens. Fait avec un vocabulaire pas toujours joli. Non, c'est ça, tu sais. Puis. Fait que ça a été très formateur à ce niveau-là. Fait que je sais pas où je m'en allais avec ça, mais. Il n'y avait pas une mascotte avec vous? Ah, tu fais celle-là. Ouais. Notre mascotte, c'est un... Le parce que la mascotte était là. Oui, la mascotte, c'est... Parce qu'il y a des enfants. Oui, il y a deux mascottes. Il y a Blitz, la grosse, là, qui est comme... Oui, qui sont juste à la tête, là. Oui, mais c'était pas elle. Il y a Touché, qui est... C'est un drôle de nom, hein, sorti hors contexte. Prends une photo avec Touché. Fait que c'est l'alouette en peluche, tu sais. Puis Touché nous suivait sur les matchs de hockey sur la route. Pourquoi? Mais, ben, parce que dans le fond, là, voici ce qui se passait, c'est que... Il était-tu rémunéré, cet homme-là? Sûrement, et sûrement pas beaucoup. Mais j'imagine. Entre les périodes, on signait des autographes, puis on essayait d'entertainer la foule. Fait que d'amener Touché, ça amenait ça, c'était plus familial. Mais la personne dans Touché, de mémoire, elle s'appelait Eddie. Puis Eddie, lui aussi, traîne un bagage sombre. Je ne sais pas... Pourquoi, mais... Il y a personne qui veut devenir une mascotte, ça t'arrive. Ça, le calling, oui. C'est plus fort que toi. Mais Eddie est un fan de lutte, mais pas juste un fan, il est lutteur. Genre, sous-sol de paroisse, comme les samedis soirs, puis il se crisse des vrais coups de chaise, tu sais. Ils n'ont pas appris la technique pour que ça fasse mal. Non, c'est pas tant un spectacle, tu sais. Non! on avait de la boisson en montant, souvent, tu sais, puis... On essayait d'avoir une certaine retenue parce que tu ne voulais pas être trop arraché quand tu étais sur la patinoire. Les gourdes étaient notées. Fait que la gourde avec du tape autour, c'était de la bière. Fait que si t'as vraiment soif, prends pas elle. T'sais. Puis après ça, ben, ça virait en party avec les gens de la place. Mais Touché, ce jour-là, l'échappe en montant, mais l'échappe vraiment raide. Il dort dans le vestiaire pendant qu'on s'habille. Puis là, à un moment donné, c'est comme d'eau, c'est ton cue, comme sort. Ouais. Écoute, il titube devant les enfants, vomit dans son masque. Fait qu'enlève son masque, puis là, tous les enfants... Ah! Là, on le ramène dans la chambre. Et Touché a perdu sa job. Non! Ouais. Cancel culture! Cancel. T'as plus le droit de vomir dans un masque de mascotte pour terroriser des enfants. Aïe, aïe! Tu peux plus s'exprimer. Ah non. Oh... Ah, mais ça n'a pas de bon sens. Honnêtement, puis j'ai 38 ans aujourd'hui, puis je pense à la vie que j'ai eue. Puis je fais comme, Chris, c'est... des fois, je jouais à ce jeu-là, tu sais, puis je regardais mes coéquipiers, puis moi puis Mathieu Pro, on faisait ça des fois. On regardait nos coéquipiers, puis on faisait comme, lui, là, tu y enlèves le foot. Qu'est-ce qu'il va faire? Il peut pas tirer comme... à la banque. Non! Comme, c'est sûr qu'il va avoir comme... Écoute, il va avoir des plaintes contre cette personne-là. Il y a des gens colériques, tu sais. Il y a des gens extraordinaires. Je veux pas blaster mon milieu, mais... Il y a pas un gars qui est un peu plus sale que les autres? Tabarnasse! Je t'ai trop compté de faire, là. C'est pas de nom, mais il y avait une... Le gars mesure 6 pieds 4. Il doit faire 285 livres, mais il est cut. Tu sais, c'est comme... Il est énorme. Mettons, ma shape, mais à proportion 6 pieds 4. Il y a... C'est pas un gars avec qui tu vas avoir des conversations très éloquentes. Sauf que si tu lui dis, lui, il a le ballon, pogne-le! Et Chris, il va te le faire anesthésier. Il y a une mâchoire de même, puis t'as des gens, je sais pas si dans l'humour, dans le monde du spectacle, t'as des gens superstitieux, j'imagine que oui. dans le sport aussi. Puis lui, la veille des matchs, quand on a un walkthrough, puis tu sais, on peaufine les derniers ajustements, on s'habille, tu sais, on met, mettons, les pantalons de game, on met juste le chandail, pas d'épaulettes. Mais lui, ses pantalons de game, il les met, puis sa superstition, après ça, c'est qu'il les enlève plus jusqu'à la fin de la game. Mais mettons que la game est le dimanche soir, 19h, puis que le walkthrough est à, je sais pas, midi, 11h le samedi, il l'a pendant comme
36 heures. Mais t'as dû, parce que mais tu sues, tu dors avec, puis il va aux toilettes. Ah! Puis, fait que... Oui, 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 oui. Fait que, mais tu peux pas y dire. Tu sais, comme, fait que tu le vois arriver jour de match, il enlève ses jeans, puis en dessous, il y a déjà ses pants de game qui sont souillés. Puis ça sent le tabarnak. Puis la fois, je te jure, mais il y a personne qui ose y dire, Esti, parce que... Il est très fort. Tabarnak! S'il se fâche, tu veux pas être là. Non! Fait que il fait des affaires. Fait qu'on on rit. Mais moi, je me suis retrouvé. J'exagère zéro, là, by the way. J'exagère sur mes affaires, mais pas ça. J'étais à Calgary. On joue contre les Stampeders. Je me dis, écoute, je commence à me minder. Puis là, je regarde à côté. Man. Puis ça te dégoûte. Oh non! il pisse à côté. Puis tu fais comme, tabarnak! Là, il te regarde fâché. Tu fais comme, hey, cool! Tu sais, que tu n'oses pas y dire. Fait que. L'affaire la plus fucked up, je te jure, Steph. On le voyait arriver sur les plaqués, bam, puis il se relevait, puis il se frottait sur le casse de l'autre. Tu sais, comme... Je vous le jure. Oh! Man, pis, fait que ça, c'est pas mal l'extrême que j'ai vécu. T'en as que c'est genre superstitieux, genre, ils portent le même chandail. Chip Cox, il portait le même chandail depuis, tu sais, secondaire 1, quand il a commencé à jouer. Wow! Le chandail, il tout est épais, là, tu sais. Je veux dire, il n'y a plus rien qui marche. Mais comme ça, c'est... À la limite, c'est cute, tu sais. Oh, le même chandailier, tu sais. Mais tout ça cute, l'autre, c'était un extrême. Je sais pas, là. Et toi, je porterais tout le temps les mêmes pantalons pour chaque couple ouvert. Ben, c'est pas... C'est pas comme ça. C'est pas comme ça, tu sais. Je suis ils sont beaux, non? Ah, mais oui, ils sont beaux, là. Oui. Mais oui, ils sont super beaux. Des beaux pantalons? Mais oui, ils sont super beaux. Je suis content. Ah, mais un gars de 300 livres qui s'en pisse, hein, quand même. Il était marié avec des enfants, tout, là, tu sais. Mais c'est ça qui est fucké. Tu parlais tantôt de te battre. Je me suis retrouvé dans un bar une fois. On gagne la Coupe Grey, puis on s'en va au Canadien, puis on se fait présenter sa glace. Puis un de mes amis... C'est notre D-line. Lui, c'est le nose tackle. Pour vous donner une idée, lui, sa job dans la vie, on s'attend pas à ce qu'il fasse aucun plaqué alors qu'il est en défense. Sa seule job, c'est qu'il est tellement gros puis fort qu'on espère que deux joueurs adverses vont essayer de l'arrêter. Donc, ça va libérer le champ pour un de nos joueurs défensifs, un de nos linebackers, pour faire les plaqués. Fait que lui, sa job, c'est juste de se tirailler contre deux gars à game long. C'est un vrai tough. Puis ça te prend un gars avec une corpulence... triple comparativement à la mienne. C'est vraiment important dans une équipe. Oui, oui. Ouais. C'est ultra ingrat comme rôle, mais c'est super important. Je viens de dire tu connais plus le football que moi, tu gagnes tes paris. C'est vrai. Ah, c'est vrai, Étienne, je n'ai pas fait le suivi, mais, et à tout le monde, by the way, j'ai terminé deuxième au football Pick'em cette saison. What? Ouais. Merci. Bravo. Merci beaucoup. Ouais. Tu dis genre les Chargers sont dans quelle ville, puis ils font, mais à quelle part? Oui, c'est ça. Aux États-Unis. Puis, tu viens d'expliquer ce que cet homme-là fait, puis je viens de l'apprendre. T'sais, j'avais remarqué qu'il y en avait des plus gros qui se déplaçaient moins. Oui, ils sont moins mobiles. Il n'y a pas besoin de l'aide. C'est ça, je comprends. Mais lui, quand il buvait de l'alcool, lui, c'est un gars de Jack. Quand il buvait du Jack, puis la plupart des gens qui boivent du Jack Daniels, d'habitude, c'est pas comme « Hey, voici un gars festif qui a bu du Jack. » Non, c'est un gars agressif. Puis, on se retrouve dans un bar... Un petit bar de quartier, genre quelques rues de Saint-Denis. Puis, il est énorme. Puis, à un moment donné, il y a un gars qui a toute l'allure qui s'apparente à un gars des Hells ou un motard, qui a la même esti de shape que lui. Puis, il commence à le tester. T'sais. Fait que là, mon ami qui est là. Pis... Tu dis, ils pourraient s'entendre, ils vivent la même chose. Trouver du linge, c'est difficile. Alors, moi, je vois ça venir. Ils peuvent s'entendre là-dessus. Ben oui! Tout se rentrer dedans. C'est parti, tu sais, non? On pourrait. Ouais, c'est ça. C'est-tu du 2XL ou du 3XL? Je sais pas. Des avions, ça fait mal. Là. Ben oui. Mais oui. Il faut que tu t'achètes deux sièges. Ben oui. Mais non, au lieu de ça, ils chicanent. Mais là, ils commencent à chicaner. Puis là, moi, je vois toute la scène. Puis dans ma tête, c'est. Qu'est-ce que je fais? Tu sais, j'ai pas le choix d'essayer de backer mon ami. Fait que mon ami finit par se retourner. Il s'écœure. Pogne à la gorge, boum! Tu sais, comme un ours, tu sais, c'est pas comme un mouvement brusque, c'est juste un mouvement lourd. Doum! Là, l'autre, il fait la même affaire. Boum! Fait que là, les deux sont à la gorge de même. Puis là, mon premier réflexe, c'est je veux les arrêter, fait que je suis comme. Puis à un moment donné, je fais comme,
fuck, battez-vous, là. Heureusement, il y a eu toutes les bandes qui sont arrivées, mais... De qui j'ai plus peur? Mon coach, si je le suis pas, ou les motards? Les motards, c'est clair. Bon, ouais, c'est ça, ouais, les motards, de loin. Mais finalement, je pense que ça a bien fini. Tu m'as mis aujourd'hui. Je sais pas. Ils ont fondé une famille. Oui, ils sont mariés. Ils étaient homosexuels, un pour l'autre. Ouais, ils se sont trouvés. Oui. Ouais! Ils ont adopté des enfants qui sont très frêles. Puis ils montrent un beau côté de vulnérabilité. Ben oui, c'est ça, ça balance la famille. Quand j'ai rencontré ton père, on s'étranglait. On aurait dit que ça nous excitait. T'imagines? Oui, imagine. Mmh. Puis c'est genre, il y a une petite étincelle dans les yeux. Toi aussi, t'aimes ça. Ça serait incroyable. Ça serait incroyable. Je leur souhaite. Ben oui, ça serait beau. Étienne, c'est comment jouer au football, avoir une game importante, mais hangover? J'ai jamais vécu ça. C'est vrai? Je te jure. Non, non, mais sérieux, quoi? Je raconte toutes les histoires de. Mais il y en a qui. Tu as Saint-Jérôme, tu dis qu'il n'est pas fiable. J'ai pas qu'il n'est pas fiable. C'est juste qu'aujourd'hui, je me disais, hey, si c'est arrivé, comme moi, quand je suis hangover au bureau, j'envoie comme deux courriels, puis. Mais t'es dans l'humour! C'est simple! C'est un de plus que les journées habituelles. T'es plus productif, c'est ça? Non, mais j'ai... Puis tu sais, je raconte toutes mes histoires, puis je les assume, mais le foot, ça demeurait ma priorité numéro un, tu sais. Puis pendant plusieurs années, je buvais pas du tout, je consommais pas du tout, puis à un moment donné, j'ai commencé à le faire, puis le foot m'a gardé dans un certain... droit chemin. Ben ouais, tu sais, droit chemin ou certaines disciplines. Pendant une semaine avant les games, tu sais, je bois pas, je consomme pas, mais le soir après le match ou le surlendemain, quand on n'a pas de pratique le lendemain, là, je pouvais en profiter. Tu sais. Mm. Ouais. Fait qu'il y avait cette nuance-là. Puis après ça, quand j'ai pris ma retraite, ben là, plus de games. Ah! Fait que c'était la partie de fun. T'as-tu déjà travaillé le lendemain de veille ou saoul? Ben oui. Saoul? Ben saoul. Probablement encore un peu. Je sais pas à quelle heure j'étais rentrée, mais oui. Mais le lendemain de veille, c'est drainant, là. C'est d'essayer tellement d'avoir difficile. De l'énergie puis que ça paraisse pas trop. C'est raide en tabarouette, là. Moi, c'est vraiment c'est tough. Je suis content de plus avoir à vivre ça. Cette espèce de gueule de bois, là. Oui, oui. Non, tout est vraiment, vraiment très, très, très difficile. Extrêmement. Chaque courriel qui rentre, c'est comme. Pourquoi? Quelqu'un d'autre peut t'aider, je sais pas. Oh, arrangez-vous, Chris. Ouais. Je me souviens aussi, à la même époque, j'ai commencé à... Tu sais, comme quand... J'allais donner un exemple, comme si tout le monde faisait ça, mais moi, au début, là, quand j'ai commencé à travailler dans des bureaux puis tout ça, là, tu sais, je m'arrangeais full, je me maquillais full, je trouvais ça full important d'être vraiment comme ça à coche, puis un moment donné, tu décroches, là, tu sais, tu te rends compte que t'as un job de 9 à 5 avec les 8 mêmes personnes. Là, maintenant, tu réalises, c'est beaucoup de temps aussi. Là. Ben oui, là, tu sais, je veux dire, je vais pas me lever une heure plus tôt le matin pour faire les cheveux personne ne regarde, là, tu sais, en tout cas, whatever. Mais, au contraire, que du moins on le regarde, parce que, oh, pas envie que tu me regardes. Ben non, mais je veux dire, je veux pas dire que je m'en fous. Tant que t'as ta robe, Guess Marciano. Ma robe Marciano, que j'ai gardée trop longtemps. On se rappelle que tu travaillais avec Luke Wiseman. Notamment, notamment travaillé avec Luke. On va peut-être arrêter de... Oui. On va se faire une toque. Mais je me souviens, quand j'ai commencé à comme moins me maquiller, puis un moment donné, la première journée que je suis allée au bureau, pas du tout maquillée, ma boss était venue me voir, puis elle m'avait dit, « T'es-tu correct? » Intervention. J'ai comme, « C'est ma face! » Sorry. C'est-tu que j'ai l'air? J'avais trouvé ça rough. Mais c'est ça, qu'est-ce que tu veux? Ça fait mal. Ça fait un peu mal, quand même. Extrêmement mal. J'ai commencé à boire quand? Quand j'ai commencé à sortir à genre 17 ans, mais je buvais pas beaucoup à cet âge-là. Tu sais, je sortais pour danser. C'est vrai. J'avais le feu de la danse. Mais ouais, moi, quand je sortais dans un club, je dansais beaucoup trop. Là. Puis là, je me demandais pourquoi, un peu comme toi, là, pourquoi personne m'approche. Puis moi, je suis, tu sais, typique. La fille qui chante en... C'est ta toune à chaque fois, genre? C'est toute ma toune, là. Puis on se rappelle que c'est les années de, genre, Bob Sinclair. Non, la meilleure affaire de Steph, c'est qu'elle avait des amis qui avaient un peu de moyens, puis ils s'achetaient des bouteilles. Parce qu'il y avait un peu de moyens, mais... Tu sais, quand tu s'achètes des bouteilles, t'as des bouteilles, puis tu fais des drinks, puis elle buvait tout le jus.
Puis là, ses amis devaient y expliquer, arrête de boire le jus. Mais pas le jus d'orange, parce que ça, c'est lame, mais le jus de canneberge est vraiment rafraîchissant. Tu buvais tout le jus de canneberge, puis il disait, non, on a une bouteille pour attirer des gars, pas juste toi qui... qui boit le jus. Boit le jus, puis qui va danser comme une folle. Oui, c'est exactement c'était ça. C'était déshydratant, par exemple. C'est déshydratant. Mais c'est incroyable. Ça, parce que je me donnais tellement. À la danse. La danse. Oui, à la danse. Tu vois pas là pour... T'es la seule, tu vas pas clubber pour danser. Ouais, c'est ça, moi, on m'a expliqué vraiment plus tard que c'était pour comme cruiser. Ah, ouais, tu sais, tout le monde pensait que c'était. Voyons, on entend rien. Comment tu peux cruiser? Comment tu sais que c'est pas un imbécile? Tu peux pas l'entendre. C'est niaiseux. Ouais. Puis je sortais tout le temps comme en. Quand je me grillais pour sortir à l'opéra en l'espoir qu'un joueur de hockey ou de football. Non, le club, pas le vrai opéra, là. T'allais pas oui, à l'opéra. Non, je sais. Est-ce que Vincent en fout, c'est ici, je pense pas. Je pense pas que c'est ça, là. Sinon, je sortais tout le temps comme en t-shirt parce que justement, là, tu sais, c'était mon sport. Toi, j'étais pensé que t'étais juste gay. Ça, c'est la fille gay qui est venue. Elle arrivait tôt, puis elle faisait un warm-up, là, ouais. Tu sais, je m'étire au bord. Hein. Fait que, ouais, c'est ça. C'est correct, non, en fait. Puis là, tu danses encore, tu sais, quand c'est le party, tu. Oui. Comme une bête de scène. Ah oui. Ouais. Oui, non, c'est ça. Même qu'à un moment donné, justement, à l'après-gala des Oliviers, le lendemain, tout le monde qui appelait au bureau, c'était comme, ouais, Steph. Du fun? Du fun, puis genre, mes collègues étaient comme, ouais, non, elle était pas seule, c'est juste ça, c'est Steph. Elle adore danser. Il y a du Bob Sinclair. Ça la transporte. Ça, oui, je suis transcendée, absolument. C'est le feu de la danse, moi. Mais toi aussi, là, quand un moment donné, là, c'est que toi, tu danses pas, mais un moment donné, pouf! Je danse pas, moi, c'est des mensonges. Non, non. Je danse pas, gars. Non, non, je Tom, t'as un. Non, c'est parce que t'as un move de c'est danse. C'est quoi? Puis j'appelle ça. Fais-le. J'ai dit. C'est quoi? J'appelle ça. Ceux qui ont travaillé dans le commerce au détail vont tout de suite comprendre. J'appelle ça faire du facing. Ah. Parce que ils dansent comme ça. Attends, tu danses comme ça. Puis là, tu fais un petit tour de poignet, mais non. Tu tiens les produits très droits. je travaille à l'épicerie. C'est ça, c'est vrai, voilà, ça ressort. IGA. Est-ce que t'as le feu de la danse, toi, Étienne? Je vais dire que j'ai le feu de la danse, mais j'aime danser, mais je t'avoue que depuis que je suis à jeun, moi, hein? J'analyse plus. Parce que je me souviens de soirées où, tu sais, quand t'as un verre dans le nez, puis t'as vraiment l'impression que t'as le rythme. Dans le sang, puis tu fais comme est-ce que je l'ai, comme peu importe le move que j'essaye, comme ça marche. C'est sur les bonnes mesures. Mais ouais, c'est comme je vois ici un nouveau, je vais rajouter telle affaire, puis là tu fais comme est-ce que je l'ai. Mais quand tu bois plus, tu réalises que ça marche pas de même là. Tu l'as pas quand tu rajoutes une petite affaire que t'as jamais essayé. Fait que j'ai mon espèce de je pense que j'ai le petit step de comme ça je l'ai bien, puis des fois je rajoute un peu de un peu d'épaule. Je rapporte. C'est extraordinaire. C'est toute une danse. C'est tout. Mais ça, tu l'adaptes à n'importe quel type de musique. C'est vrai. Des fois, tu regardes d'un bord, tu regardes de l'autre. C'est extraordinaire. Ah, oh, génial. On serait beau sur un dance floor et tout. Je pense que oui. On serait extraordinaire. On serait parfait. Est-ce que t'as daté beaucoup dans la vie, Étienne? Mais pour trouver la bonne, il faut échantillonner beaucoup. Il y a du essai-erreur. Hein, essai-erreur! C'est sûr. Oui. Je ne sais pas s'il y a un petit côté dépendant affectif en moi, mais j'ai... Oui. Oui, j'ai daté beaucoup. OK, mais comment tu dates? Qualifie daté. Bonne question. Je dirais que ce serait faire une activité avec quelqu'un avec qui tu envisages un potentiel amoureux. Non, un sexuel. Sexuel. Oui, comme moi, je considère que c'est une date, la fille avec qui tu es allée à Alma. Ça, c'est une date? Oui, okay. Il y a une activité. Ah, ben, je... Il y a... Tu as vu sa maison, elle a vu ton pénis. Oui. Tu as couru. Date? Honnêtement... C'est pas une bonne date. J'ai pas eu beaucoup de blondes. J'ai eu plusieurs fréquentations, j'ai eu beaucoup d'amis. Des amis, c'est très drôle, ça. C'est bien dit, hein? Des amis! Mais, ouais, j'ai trippé. J'ai trippé, mais... Je sais pas où je m'en vais avec cette réponse-là, puis je fais bien attention à comment je réponds. Mais oui, j'ai profité du végétariat aussi. Ça, non, mais cool! Ben là... Je peux te garantir...
Quoi? Mon amour, que je n'étais pas la seule fille à l'opéra que quand un sportif passait faisait... Le Club Opéra, honnêtement, puis c'est la raison pour laquelle je connais ça, c'est que le Club Opéra, c'était phénoménal. Ah, oh, génial. Comme endroit. T'es jamais allé là? Ben, c'était Sainte-Catherine-Saint-Laurent. Belle fille. Avant, pourquoi ça s'appelait... tu vas à une place où les filles, ils veulent des sportifs jolis? Comme m'amener... Non, non, moi j'allais à la Roquette. J'étais, hey, le gars, il se bat à la machine à... Ah oui, au Babyfoot. Au Babyfoot, il a l'air cool. Non, non, mais j'ai du fun, puis à un moment donné, ben, il faut que tu te cases, là. Fait que c'est ça. C'est ça, le trajet. Fait qu'à l'opéra, il y avait moyen, oh, quand tu vas là, il y a des femmes qui cherchent ça. Ah, c'est super. Oui, oui, oui. C'est extraordinaire. C'était comme un... Souvent, on a, je ne veux pas dire sous-entendu, mais c'était comme... Ça, on dirait que ça sent les gens qui cherchent ça, puis ça sent les gars qui cherchent ça aussi, j'imagine. On se trouve. Puis moi, je me cachais pas, là. Tu sais, j'étais pas le genre... Honnêtement, je pense pas... J'ai jamais été un crosseur, tu sais. Je pense que j'ai toujours été assez carte sur table, transparent. Tu sais, je faisais pas semblant d'aimer quelqu'un, c'était pas le cas. Oh, ouais, fait que j'ai un petit peu de vécu. Est-ce qu'il faut pas que mes enfants écoutent ça, là? Calme. Maïka non plus, d'ailleurs. Au pire, répond, répond pas. Est-ce que... Je sais pas si c'est déjà arrivé, je le sais, mais comment... Okay, on va commencer comme si c'était... Mettons que tu réalises pendant, whoop, il y a un autre gars, puis elle a un mari ou elle a un chum. Comment tu peux gérer ça? As-tu des problèmes par rapport à ça? Ou... Tu fais-tu allusion à une histoire que je t'ai contée? Non! Je non! C'est génial! Tu veux dire qu'il y en a une! Ah, okay. Je m'en vais à Sherbrooke avec... Yes! Quel endroit! Hey, c'est carré. Avec un de mes coéquipiers qui s'appelle Ozuma Okeke. Oui! Ozuma... fait 6 pieds 1000, sa face... 6 pieds 1000 comme Thomas, genre? Oh! Ah ouais. Il fait... C'est un gros African-American, là, tu sais, vraiment dark, avec une face... Sa tête est plus grosse que mon corps au complet. Puis c'est pas tant un ami dans l'équipe, mais il fait comme, hey, Boulay, j'ai été invité au Living à Sherbrooke, il y a comme un défilé de mode, une affaire spéciale. Viens-t'en avec moi, ils vont prendre soin de nous, on va être des juges invités, je suis comme... All right. Je m'en vais le chercher à l'île des Sœurs, on monte là-bas. On arrive là, puis il y a deux hôtesses qui sont comme, qui s'occupent de nous, tu sais. Puis là, il y en a une qui me tombe dans l'œil, puis là, je commence à flirter avec, c'est ça. Puis bref, le show commence, je suis le juge du défilé de mode, puis elle vient me souffler à l'oreille, elle fait comme, « Hey, l'étage du bas, il est fermé. » Tu sais, fait que dès que le show finit, je vais aller te montrer... comme le côté ergonomique de l'endroit. Fait que je suis comme très excité. Mm-hmm. Fait que dès que c'est terminé, je suis comme « parfait ». Je m'en vais en bas, puis elle m'amène dans une chic, évidemment, salle de bain. On commence à apprendre à se connaître. À un moment donné, j'entends « bang, 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 bang! Fanny, est-ce que tu charrues, toi? » Fait que là, je suis comme « t'es-tu Fanny? » Fait que là, elle fait comme... C'est comme pénétrer quelqu'un puis ensuite connaître son prénom. Fait que là... C'est un ordre! Fait que là, elle fait, ouais, c'est comme, c'est mon chum. Je suis comme... Oh, shit! Fait que là, comment je gère ça? Quand je suis nerveux, je souris. Génial! Fait que je me souviens, j'avais une chemise rose avec une grosse chaîne en faux diamant, OK? Fait que là, j'ouvre la porte, puis je suis comme en chest, puis je suis comme hey! Fait que là, le gars, il est accompagné d'un des bandeurs, puis il fait comme qu'est-ce que t'es qui, man? Fait qu'il dit, je sais pas, il me menace. Il dit, je sais pas qu'est-ce qui se passe à Montréal, comment ça marche à Montréal, mais ici, le monde se fait tirer pour ça. Fait que là oui, à Sherbrooke. Là, je suis terrorisé, mais faut pas que ça paraisse. Fait que c'est comme au poker, I raise. T'sais, fait que là, je lève le ton aussi, je fais mon tough, mais en même temps, je me faufile, puis je crisse mon camp. Meilleure décision. Je m'en vais rejoindre Ozuma Okeke, qui est assis au bar, qui prend toute la place. Puis là, je m'en vais à côté, puis je suis comme, dude, reste près de moi. Puis là, il est comme, qu'est-ce qui se passe? J'explique vite, vite, puis il est juste comme... Il rit comme ça. Jusqu'où je peux aller dans l'histoire? Pendant ce temps-là, la deuxième hôtesse... Attends!
Quoi? C'est incroyable! Fait qu'elle me dit, « Hey, on va-tu dans mon char? » J'ai des principes. Là, je dis, premièrement, là, il vient de se passer une situation avec ta chum. Tu sais, t'as-tu un chum, toi aussi? Elle fait comme, « Non, non, c'est cool. Hein? » Je dis, « Ozuma, garde ma place. » Je m'en vais. Après ça, elle vient me reporter au bar. C'est tellement fucké. Hey, c'était dans une autre vie. Je rentre. C'est délicieux. Je viens me réinstaller à côté d'Ozuma. Puis, la première fille revient. Puis elle fait comme, « Hey, c'est beau, c'est réglé. Tout est cool, on peut y aller. » Puis là, je suis comme, « Hey, non, ça marche pas de même. J'ai des principes. » Elle fait comme... Puis là, elle est comme convaincante. Fait que je repars avec elle. Mais là, dans l'auto, je suis comme un peu rempli de remords parce que je suis comme, j'étais avec sa chum, tu sais. Fait que je suis comme, juste. Fait que là, je fais, faut juste que je te dise, comme, ça va peut-être te fâcher, puis si ça refroidit le moment, no biggie, tu sais, comme, mais je suis allé faire un tour d'auto avec ton ami. Tu sais, comme, avant, comme, quoi? T'as couché avec ma meilleure amie, puis tu penses que tu vas coucher avec moi? Je dis, je pense rien du tout. Je fais juste... Je te donne l'info, puis t'en fais ce que tu veux. Puis elle fait comme, non, c'est pas grave, le plan, c'était de le faire en même temps, de toute façon. J'étais comme... Oh. C'est excitant. Fait que c'est mon histoire de Sherbrooke. Wow! Wow! Ouais. Oui, bravo, merci! On a-tu un coup plus vert à Sherbrooke? Mais c'est drôle et pas drôle aussi, tu sais, parce que le lendemain, je suis comme... C'est plus drôle que pas drôle. Hey, non, puis histoire fucked up. Y'a personne qui a de la peine, tu vois, franchement. Histoire fucked up. Chris... Ah ouais, vas-y, je sais pas où tu vas, mais faut que tu y ailles. Quelques années plus tard... Génial. Notre camp d'entraînement se faisait à l'Université Bishop, dans le coin de Sherbrooke. Puis... En vue de la fin du camp d'entraînement, je planifiais, on a notre premier match d'ouverture, puis après ça, je planifiais peut-être faire la fête. Fait que je trouve un dealer là-bas, plus vers la fin de carrière. On se comprend quand je commence à planifier mes dérapes. Le gars qui vient me vendre du stock, il me dit... Ben, c'était pas lui, mais il y avait un gars avec lui, il était deux. Puis son gars, il fait comme, « Chris, t'as couché avec ma blonde? » Puis je suis comme, t'es-tu le gars du living? Ouais! Puis là, il était comme rendu cool. Tabarnak, je te jure, c'est ma vie est un film, man. C'est incroyable. Ouais. C'est fait qu'aujourd'hui, tu sais, comme juste pour vous donner une idée, aujourd'hui, j'ai fait un dodo d'après-midi avec ma fille avant de venir. Fait que la vie est plus du tout la même. Tu sais, c'est comme, la game a changé. Mais pas tant que ça. Parce que t'as beaucoup les souliers. Ouais. T'es prêt ou t'es souliers? J'ai une guidoune à souliers, puis ça coûte, les souliers que j'aime coûtent fucking cher. Puis surtout si tu passes sur les sites comme StockX puis ces affaires-là, puis c'est comme, c'est rendu de la surenchère pour des souliers. Fait que j'ai un dealer de souliers. Fait qu'il y a comme un gars que je connais, qui s'appelle Jean-Marie, que je salue. Puis Jean-Marie, lui, il court les sites, puis la manière, il les trouve moins cher, puis il se fait une cote, ses souliers, mais comme je vais aller le rejoindre dans le fond d'un parking sombre, puis je vais... un échange de cash, puis je repars avec une boîte de souliers. Tu sais, comme avant, c'était de la poudre, là. C'est extraordinaire. C'est des choses, tu sais. Fait que les comportements restent le même. C'est juste plus... Puis aussi, c'est plus la même marchandise. Une des meilleures parties de faire de la drogue, c'est de l'acheter. C'est tellement cool, acheter de la drogue. Man, puis t'as il est là, le thrill. Ouais. Puis tu sais, c'est ça, à la fin, j'avais plus aucun fun aussitôt que la première seconde que je consommais. Puis le fun, c'était rendu justement de me rendre là-bas parce que tu fais, OK, c'est un peu illégal, tu te sens un peu cool. Puis à un moment donné, tu réalises que ça vaut pas tout le trouble, mais effectivement, fait que j'imagine que je vais chercher le même high en allant rejoindre Jean-Marie. Mais des chaussures avec un ami. Dans un parking de Walmart, c'est comme un peu en retrait. Tu regardes autour de toi. C'est délicieux. Mais moi, j'aimerais dire que toute l'histoire avec les filles, tu n'aurais pas eu peur si tu lui avais demandé « Es-tu célibe? » Es-tu célibe? Excusez-moi. Oh, c'est bien ramené. Tout le monde rit de la phrase « Es-tu célibe? » Mais ça peut te sauver de belles affaires. Ça peut te sauver de belles affaires. Tout le monde s'y va repartir dans sa petite poche. La phrase « Es-tu célibe? » Bon. Pas vrai. Il est comme, génial. Moi, je l'ai laissé ici. Pas vrai. Papa avec ça chez nous. Il m'a jamais dit ça. C'est célibe, câlisse.
Est-ce que c'est l'heure? Moi, c'est l'heure. C'est l'heure. C'est le moment des dates présenté par Eros et compagnie. Yes! Le segment des dates, c'est super simple. On demande à nos spectateurs de nous écrire leur pire date. On la lit et on les humilie. Et ce segment est présenté par Eros et compagnie, un sex shop. Couple 15, tu veux te masturber, tu veux pimenter ta vie sexuelle, tu veux faire des triples fun, tu veux découvrir ta sexualité, va chez Eros et compagnie et tape couple 15, t'as 15%. Si t'as pas compris qu'avec couple 15, c'est avec 15%, va refaire tes études, lâche le sex shop. Et là-dessus, on a un présent pour notre invité. Oui. Et on a un beau jouet à te présenter. OK. Et on espère que ça va beaucoup t'amuser. Je vais te le lancer. Je sais pas c'est quoi, je vais pas te faire mal ou... Oh! Sweet hands, OK! Attends un petit peu. On n'a aucune idée c'est quoi. Il y a une petite carte, une petite carte que tu peux lire avant de sortir l'objet, si tu veux. All right. Eros. Salut, Étienne. Salut. En tant que joueur de football, tu as-tu te comporté en vrai dur à cuire tout au long de ta carrière? Cette pompe t'aidera à rester dur comme le roc à les moments opportuns. Bonne découverte. Une pompe. Je sais pas. C'est-tu fucking Austin Powers? Go, 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 go. Ouvre-la, ouvre-la, ouvre-la. Une pompe à pénis suédoise. Oh, on le souhaite. Ben, tabarnak. Oh, oh, je vois c'est quoi, je vois c'est quoi. Attends une minute, c'est une pompe pour débutants. Ah! Oh. Free plus... C'est pas tout. Il est free silicone cock ring. Wow! Ben, tabarnouche. Attends un petit peu. Ah, oh, c'est génial. Ça a l'air de faire mal. Tu penses? Oh! Ah, oh, c'est électrique. T'as pas de micro. C'est hein, à main. C'est ça. Ben oui. Hein? Ah, ouvre tout! Ouvre tout! Ouvre tout! Oh, tabarnak, OK. C'est un, okay, c'est un professionnel! Il y en a une! Il l'a ouvert de même! C'est en plastique ou en vitre? C'est pas en verre, ma chérie. C'est en plastique. Mon amour, comme tu l'échappes! Pis... J'ai déjà échappé avec une femme un dildo en vitre, puis ça a cassé. Ouh! Ouais. Je sais pas pourquoi ça vous fait autant de peine. Oui, c'est vrai, c'est cher. Parce que la dame a dit que c'est cher. Est-ce elle que... va chier les ménages. C'est cher, voyons donc. Mais est-ce que c'est toi qui as passé la balayeuse? Non, c'était un hôtel. Ah. Vous l'avez laissé là? Ouais. Oh. Puis c'est resté là tout le long. Puis on a changé de chambre. Wow, on dirait un projet de science physique. Oh, ouais! C'est incroyable, ça. Il y a beaucoup d'items. C'est incroyable. Wow! C'est... Wow! OK, on va l'essayer. Julien! Oh my God! Ça, c'est à utiliser... Jamais. Mais dans quel moment? Avant, attends, veux-tu venir jaser? Non, OK, mais tu connais ça? On va traduire. T'as un amoureux qui fait ça? Non, il est juste à côté, comme il va encore. Mais faut-tu déjà... Il est tanné, comme il est au calme-toi, chérie. Faut déjà être allumé. T'sais, faut que t'es déjà allumé quand tu l'utilises, ou c'est... OK. Tu perds le fil. Qui baise puis perd le fil? On qui baise puis fait... Qu'est-ce qu'on fait? Si on fait ici, ouais, on fait l'amour. Perds le fil! Mais là, tu débandes! Mais là, monsieur! Ouais, mais monsieur! Attends, non, mais... Yo, son chum, il est tout rouge. Je débande, pas qu'on laisse, mais... C'est sûr que si, pendant que tu baisses, tu dis, mais là, t'as-tu perdu le fil? Tu perds-tu le fil? Il peut débander. Le fil, est-tu correct? Le fil est... Si Étienne avait eu sa pompe à Alma, il aurait pu mettre ça se serait bien passé avec la fille là-bas. Ça s'est très bien passé. Oui, c'est vrai. Ça s'est très bien passé, je pense. En tout cas, merci. Plaisir. J'imagine ça peut aussi... J'ai hâte de rentrer à la maison, ça, puis... Ah, mais quand j'enregistre un podcast avec Steph et Thomas, puis je rentre avec ça. Est-ce que vous pensez que Tom Brady a dégonflé les ballons avec une pompe à pénis? Sans doute. Je lance ça dans les airs. Alors,
Je pars. J'adore le bruit que ça fait. C'est incroyable, tout ça. Salut à vous deux. Je sais que c'est quétaine, mais maudit que je vous aime. Lâchez pas. Voici ma... c'est un gars qui nous écrit. Ah, oh, c'est fin. OK. Voici ma pire date ever. Pourquoi vous dites lâchez pas? On n'a rien d'autre. C'est pas comme si on allait avoir un show à Radio-Canada. Là. Comme, oublie ça. Voici est-ce ma... que tu nous imagines à Salut Bonjour? Imagine, il est 5h30 du matin, puis nous deux, on est comme, hey! Moi, je... Gino, une pompe à pénis! Pas Gino, let's go! Puis moi, avec du vomi dans les cheveux. OK, voici ma pire date ever. J'avais environ 19 ans et venais de break up avec ma première blonde après 4 ans de relation. Comme... Qui sort une fille de 15 ans à 19? C'est tellement étrange. Non, elle a dit, il parle pas de fille de 15 ans. Il avait 19 ans, ça faisait 4 ans. Ça fait 4 ans qu'il est en couple. Puis c'est a... ça? Okay. Fait qu'il a commencé à sortir une fille à 15 ans jusqu'à 19 ans. OK. Moi, ça me bouleverse. La fille, elle avait 15 ans. Je suis seul à être bouleversé? Ouais, hein? Dans le sens où c'est une période où il devrait butiner plus que de... Non, comme, je sais pas, juste prendre de la drogue puis vivre, pas une blonde, calice. Ah ouais. Comme, qui a, par applaudissement, qui avait une blonde à 16 ans? Toi? Génial. T'avais une blonde, Anthony? C'est-tu calice avec ça? T'avais une blonde, Anthony? C'est ouais. Mais il y a mieux à faire. C'est comme moi, je sais pas, là, je... Bon. Bref. Comme c'était cool où j'allais avec ça, là. Comme pas mal de monde triste, en manque de confiance après une rupture. Mais tu vois, il y a pas confiance parce qu'il y avait une blonde. S'il n'y avait pas de blonde, en tout cas. J'avais confiance à 19 ans, là. Je m'inscris sur l'ancêtre de Tinder, Do You Look Good? Oh, génial. Et tabarnouche. Je me rappelle plus trop du concept, mais tu ratais les gens sur 10. T'as une note globale et les gens peuvent s'écrire en privé, il me semble. C'est quoi ton lien avec Do You Look Good, déjà? Alors... À l'époque, que j'étais célib, je n'avais pas de chum à cette période-là de ma vie, mais j'avais environ le même âge. Il m'avait approché. Je ne sais pas pourquoi, sûrement à cause de mon excellent site web sur Shania Twain. Elle avait un site de Shania Twain. Quoi? J'avais un site web sur... Tu as fait un site sur Shania Twain? Oui, à genre 13 ans. OK. Ouais. Ça, c'est ce qui arrivait, OK? C'est qu'elle se masturbait beaucoup. Puis ça faisait culpabilité parce qu'il faut que je crée quelque chose. Je peux pas juste me masturber et créer des sites de Shania Twain. Mais c'est vrai qu'à cet âge-là, je me masturbais beaucoup. J'avais même pris comme résolution de l'année. Je me souviens comme à 12 ans, genre au jour de l'an, je m'étais dit, là, je peux plus me masturber à chaque jour. Non. Ça a pas de sens. Faut que ça cesse. Puis j'ai toffé un mois et demi. À pas te masturber ou à pas te masturber chaque jour? Pas me masturber du tout. À un mois et demi? Oh, ouais. Sevrage. Ouais, sevrage. Puis le... C'est fini ce vrage-là. Revenu au galop. OK, bon. Puis oui, c'est ça. Ben, Do You Look Good? C'est que ils m'ont approché. Je sais pas comment. Les débuts de l'Internet, il y avait les blogs dans ce temps-là. Puis tout ça. Puis Do You Look Good? Il y avait un blog. Puis un gars qui m'avait approché pour écrire sur le blog de Do You Look Good. Mais je pense que c'est parce que j'essayais de le cruiser. Puis j'y faisais à croire que j'avais une vie de dating incroyable. Est-ce que tu as dit l'âge que tu avais? Je sais pas. Probablement, j'ai menti, là. Ah, comme le gars de Shania Zong. Je comprends. C'est ça, là. Fait que là, il m'a dit, tu veux-tu écrire sur le blog de Do You Look Good pour donner des conseils de dating? Mais moi, je n'avais jamais touché à un gars de ma vie. Même pas touché. Puis j'ai écrit un article. Je pense qu'il était quand même correct. Mais après ça, j'ai dit, je peux plus. Est-ce que tu as été rémunéré pour ça? Oui. Allez, oui, oui. Comment? Mais je me souviens pas. Oui, c'est ça! Bon, mais c'était ça. T'es-tu toi? Mais qu'est-ce que tu fais à parler des oui, femmes? Mais je me souviens pas comment... Hein? Ah, oh, Olivier Primeau. Ah! Mais je pense pas que c'était Olivier Primeau que je cruisais, par exemple. Je comprends. En tout cas. Mais oui, j'avais été payée. Mais c'est ça. Mais en tout cas, whatever. Okay. T'es payée comment? Il t'a envoyé un chèque? J'ai aucune idée, mais je me souviens que c'était... Je me souviens que je pense que j'avais eu un chèque par la poste. Pourquoi c'est moi qui ai fait du crystal meth, mais c'est toi qui se rappelle de rien? Je comprends pas. Comme, t'as été rémunéré? Je sais pas! Peut-être! Mais comment t'as eu un chèque? Comment t'as eu comme. Hein? C'est extraordinaire. Oh. Ben, gars, tu vois, lui aussi, il dit je me rappelle plus trop du concept, OK? On est pas, je sais pas tout ça. C'était simple. T'avais du monde, puis t'es noté de 0 à 10. C'est super. C'est pour la confiance en soi, effectivement. Oui. Quand t'as besoin de confiance. Bon,
Bref, je passe pas trop de temps là-dessus parce que ça mène nulle part. Je scroll à travers une belle liste de douchettes des années 2000, mais rien de trop intéressant. Jusqu'à ce que Caroline m'écrive. 18 ans, cute, brunette, des photos en maillot Corona à la plage d'Oka. Cochon! En plein mon style. Le style de tout le monde, hein? Ben oui. Je réalise l'ironie, c'est clairement la description d'une douchette des années 2000, mais elle a fait les premiers pas, donc go! On se jase et la conversation se transfère rapidement sur MSN. On jase jusqu'aux petites heures du matin pendant un bon 2-3 semaines, on échange des photos et on finit par s'appeler quelquefois « phone sex included ». C'est comment du « phone sex » ? Ça, c'est là tu décroches, oh. Tu composes un numéro. Mais qu'est-ce que tu dis? La personne dit « salut », toi tu dis « bonsoir ». Pour ça, tu dis « je bande ». Oui! OK, on essaie de faire du phone sex depuis moi. Parfait. Oh, shit. Pou-pou-pou-pou-pou. Allô? J'ai une érection. Yay! C'est comment? Ça fait un peu mal. C'est vrai? Oui. Je pourrais t'aider. Qu'est-ce que tu ferais? J'appellerais mon ami Étienne, j'y emprunterais sa pompe à pénis. Il est occupé. Il est avec deux hôtesses. C'est bon. C'était bien. Pourquoi le monde ne font plus ça? Tabarnak, le monde, ils font vraiment l'amour. Ça peut s'appeler ça. Okay. Ça, c'était très les démons du midi, ça. On est dans un théâtre, hein? Fait qu'on vrai. On a fait une scène nette. End scene. Merci. Okay. Par contre, chaque fois que j'essaie... Gilles Vigneault, s'il apprend ce qui se passe dans son théâtre, il va nous coller ça dehors. À coups de pied, bien. Il va nous battre. Il nous haït comme il haït Spotify. Vous en souvenez quand Gilles Vigneault, il a fait « Je m'en vais sur Spotify », puis Spotify a fait « Non! Non! » C'est pas arrivé, hein, ça. Par contre, chaque fois... Tout le monde stream Gilles Vigneault. Par contre, chaque fois que j'essaye qu'on se rencontre... Y a-tu Internet? Comme, c'est une vraie question. Comme, y a-tu... Comme, OK. Elle trouve une excuse. Ça serait, on peut pas parce que peut-être qu'il va mourir avant que ça soit en onde, ce truc-là, tu sais. Naïf. À cette époque, je me dis juste... Je me dis juste qu'elle est crissement occupée. Mais je suis un peu aveuglée par les photos en maillot et je m'accroche. Les semaines passent et j'ai de plus en plus de doutes, alors je décide d'aller à sa job pour voir si elle existe vraiment et si je jase bel et bien à la fille dans les photos. C'est fucked up. J'envoie mon ami, tu vois, c'est comme moi puis Julie. Vous allez bien ensemble, tout le monde. J'envoie mon ami faire le tour du Loblaws pour la trouver. Aucun signe. Le Loblaws. J'ai déjà travaillé là. C'est ça, tu faisais du facing? Aucun signe. De Caroline, juste des matantes et filles pas cute, cute, selon lui. Je la confronte. Elle me demande à quelle heure je suis allée. Ah, elle était en pause à ce moment. Qui? Attends, on sait que c'est un mensonge parce que qui sait l'heure où il est en pause? Ben oui. Ben, au Loblaws, oui, tu le sais. Tu étais comme à 3h15, puis 3h30, puis 3h45, non? Selon les chiffres, c'est super t'as réglementé. T'as jamais eu une job de... Oui! Non, mais pas d'épicerie, mais avec des pauses super fixes. Là. Quand ça? Au Simons, notamment. Oui, mais lui, c'est un Anglais. Il gère ça serré. C'est ça, serré. Bon. La contre... Il y a un Anglais. Qu'est-ce que j'ai, là, maintenant? C'est un Anglais. Ce podcast, c'est une présentation du FLQ. On va les avoir. Mais lui, c'est un Anglais. Lui, c'est un Anglais. Même moi, en disant, j'étais, ben voyons. La confrontation la pousse à ce qu'on se rencontre enfin. Elle m'invite au ciné-parc avec ses amis. Cool, j'accepte. Elle me dit où les rejoindre devant l'entrée et qu'elle a une Chevrolet Aveo jaune. Je ne peux pas la manquer. Taguer Corona aussi ou quoi? C'est quoi la tente? J'arrive et je les spot. Je me stationne et marche vers eux. Ils sont cinq, mais je ne vois pas Caroline. Une des filles s'avance vers moi, me dit qu'on va prendre mon auto et laisser mes amis dans l'autre auto. Je m'excuse, je vais tout expliquer. Ah, OK. Elle dit deux points. OK, bon, en tout cas. OK, je vais l'interpréter autrement. Une des filles s'avance vers moi et me dit « On va prendre mon auto et laisser mes amis dans l'autre auto. Je m'excuse, je vais tout expliquer. » Pourquoi tu changes ta voix quand t'es pour jouer une femme quand t'es une femme? Non, mais c'est parce que... C'est une bonne question. Ouais. Je le jouais avec un bikini Corona. Ah! Oh! Man, n'a pas bikini Corona, c'est ça? C'est ça.
Là, je suis sous le choc. Je dis pas un mot et comme un zombie, j'embarque dans son auto. En gros, elle ressemble à un mix de Selma Bouvier dans Les Simpsons et d'Ursula dans La Petite Sirène. Wow! J'espère qu'elle fume. Zéro la fille des photos. Zéro. Puis moi, le cave, j'ai fait du fond de sexe avec des dizaines de fois. Je ne sais pas. Dizaines? Je ne sais pas du tout quoi faire, mais je me dis, bon, au pire, je vais aller voir White Chicks gratuitement. Elle m'a dit qu'elle m'invitait. White Chicks. Grand film. Elle m'explique qu'elle voulait pas mal faire. Elle a juste de la misère à rencontrer des gars, donc elle fait ça de temps en temps. Je dis pas un mot, j'ai chaud, je me sens pas bien, ah, mais là, tellement je me sens... ça à des filles, moi. Donner des fausses photos de moi, puis à date, je fais... Je fais ça de temps en temps. Une fois que t'es là, je vais tout expliquer. White Chicks. Ça reste très silencieux et on regarde le film. Comme ça, avec la fille. Ça doit être weird. OK. Environ 20 minutes plus tard, elle essaye de se coller. Oh, shit. Mais je m'accote dans la fenêtre pour l'éviter. Il ouvre la fenêtre! Essaye de passer! Mais c'est là qu'elle se baisse vers ma fourche et me détache violemment les shorts. Oh, violemment? Oui. Et se donne à cœur joie. À cœur joie. Sur mon pénis. En passant, je suis un gars, j'ai d'autres amis gars. Ça, il exagère. À cœur joie. À cœur joie. Okay, l'homme pas le pénis, tranquille. Je connais aucune fille. Il y a moyen. À cœur joie. Non, ça, c'est vraiment la fille. Elle aide, mais elle est une belle graine, la marnaque. On va capable de résister. Non, montre la graine, il va la marnaque, aussi. Les tontons, t'es dur, la bouche. Là. Tous ceux qui ont applaudi, vous applaudissez la culture. Ça, Gilles, tu serais fier. Ça, Gilles, il ferait. On est tous de même, aussi, les gars. Là. Alors, elle se donne à cœur joie sur mon pénis bien mou. Encore une fois, choc! Choc! Parce qu'il y a un point d'exclamation, choc! Je ne sais pas trop quoi faire, mais j'ai 19 ans, puis se faire sucer, ben c'est se faire sucer, fait que pourquoi homme. Pas? Elle me dit, fais juste m'avertir quand tu vas venir, ce que je fais poliment, quand vient le temps. Ça va bien. Elle s'étire, grab une couverte du roi lion. qui traîne sur la banquette arrière avec plein d'autres affaires de kid, c'était l'auto de sa mère. Et me fait venir dessus. La remet en arrière comme si de rien n'était et me demande d'aller acheter des snacks pour le reste du film. Un petit creux après l'amour, hein? Quoi? Bon! Ça arrive à tout le monde! Mais tu sais, quand une fille te suce, la moindre des choses, c'est acheter une bâtonne. Ben... Surtout quand on s'en est donné à cœur joie. Ben oui, à cœur joie. Là, moi, fellation, collation, on connaît tous. Ben oui, ben oui, ben oui. Faut être fin dans la vie, là. Come on. Je suis venue, j'ai ma porte de sortie. C'est pour ça qu'elle disait « Je suis venue, j'ai vu, j'ai vaincu ». Je suis venue, j'ai vu, j'ai vaincu. Il se prend pour César parce qu'il s'est fait tuer au ciné-parc. Comme monsieur, à là. À cœur joie. Franchement, là. Walk of shame jusqu'à mon auto laissée devant le ciné-parc. Puis jamais pas entendu. Walk of shame, tout le monde est là pour ça. Là. T'es un gagnant. Là. Le walk of shame, c'est si tu vas voir White Chicks, puis tu viens pas. Ça, c'est walk of shame. Mm. Puis jamais entendu parler de Caroline, mais j'ai encore des flashbacks quand je revois la vidéo de Terry Crews qui chante A Thousand Miles. Puis il nous a envoyé le gif. Oui, là. Il finit son courriel avec le gif animé de ça. Merci pour le woo. Bravo à cet homme. Merci. Wow. C'est grandiose. C'est gentil d'applaudir. Je sais pas si c'est mérité, mais c'est gentil d'applaudir. T'as-tu déjà fait l'amour au ciné-parc? Jamais. T'as-tu déjà fait l'amour au ciné-parc? Oui. Oh, c'est génial. Mais c'est pas si le fun. Ben, dans une voiture, honnêtement, on va pour la vérité. Ouais, on jase, là, ouais. Oui, techniquement... Faire l'amour dans une voiture. Il ouais. Y a personne que... Il y a un lit, non, mais on va dans le char. Dans le char. Non. Non, c'est ça. Si t'as le choix, tu prends pas l'auto. Jamais. T'as la... ta tête de même, t'sais, voyons, c'est pas plaisant. Non. C'est comme... Ça dépend. C'est tranquille. C'est tranquille. T'as un lit dans ton char?
Ah. Baisse les bancs. Mais ça dépend quelle voiture que t'as. Non, pour vrai, je connais pas ce gars-là, mais encouragez-le pas, les filles. Elle est pas couchée avec dans sa van, là. Il passe ses on, puis il continue. S'il vous plaît, là. Tu sais, pas de king shame, ça, ça shame. Mais si j'avoue que si t'es bien installé, par exemple... Il est pas bien installé. On a tout dans sa voix, là. Des bras. On a tout dans sa voix que... couvert du Roi Lion, t'es comme... t'es correct, là. Oh. Bon, parfait. Juste... le gars qui a une van, là, ouais? T'es-tu accompagné par une femme? Ouais! Ah, génial! Ah, c'est génial. Pas elle qui a dit oui, hein? C'est pas elle qui a dit oui! Non! Impossible! Non! C'est impossible! Non! Ah, c'est épouvantable! Oh! Ah, sacre! Pour ceux qui n'ont pas entendu, c'est ça, la première date. Mademoiselle, est-ce que tu peux nous écrire demain matin à coupleouvertpodcast@gmail.com, s'il te plaît? Ah, oh, c'est merci. Incroyable! Y en a-tu d'autres qui c'est leur première date? Yeah! Oh, ouais. Oh, c'était pas fort, ça. C'était comme pas assumé. C'est pas vrai? Ben non, ah, non, 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 c'est le couple de tantôt. Non, c'est l'autre couple à côté. C'est un autre couple à côté. Ouais. Bon, c'est super. Ah, oh, c'était incroyable, tout ça. Oh, ben, okay. On vous souhaite du plaisir. Bref ou à long terme, mais... Tu parles avec le gars avec sa vanne de qui kidnappe des enfants? Moi, juste dire que dans ma vanne, j'ai un matelas pis des bonbons! Juste dire... Avec une couverture sur Roi Lion. OK. Oh, en passant, c'était incroyable. Merci beaucoup. La prochaine s'intitule... Oui. Sanglots et petits chiens. Oh, oui, oh, mais c'est bon. Ça peut juste ah oui, ça s'appelle la même. Ça, ça la même. Peut juste bien aller. Salut ah, Stéphanie. Tu fais bien d'avoir peur. C'est terrifiant, je l'ai lu. Encore 19 ans? OK, salut Stéphanie, Thomas et l'invité. Il s'appelle Étienne. Il ne peut pas l'inviter. Mais là, je lis littéralement. Oh. Ma date, particulièrement surprenante, s'est passée il y a quelques années. J'avais 19 ans. J'étais assez active sur les apps de rencontre. Je match avec une fille de 35 ans. Yeah, qui semble de mon genre de gars! Mon genre de gars! Après quelques journées à échanger sporadiquement sur nos vies, je décide de la... Il dit sporadiquement, mon genre de gars! Puisqu'il fait beau et chaud, elle m'invite à venir boire du vin sur son balcon. J'accepte. La veille, elle me pose des questions, I guess tout à fait normales, sur les modalités de notre date. En voici la liste, deux points. Vas-tu avoir mangé parce que je compte me commander de la bouffe? Je l'aime déjà, cette femme-là. Est-ce qu'on va avoir du sexe? C'est prévu. À 35 ans, ils n'ont pas de temps. Pas non, de temps. Non, il va, ouais. Là. Je me couche tôt, là. Fais pas mon temps, là. Pas mon temps. C'est ça. Est-ce que je m'épile ou pas, là, tu sais? Pourrais-tu m'apporter des snacks, pas des Cheetos, un ah. Snack santé? Un snack santé? Donc, des crudités, genre. Des petites crudités. Bon. Elle finit par me faire une liste d'épicerie d'environ 10 items et me dit « Je te rembourserai lorsque tu seras arrivé à destination. » C'est mot exact. Elle ajoute quelques minutes avant que j'arrive, j'ai juste une chaise, donc il va falloir trouver une solution. Ah. Moi, j'ai déjà, ceci dit, compassion. Compassion. Je me suis déjà retrouvée en appart tout seul quand je me suis séparée. Je me suis trouvée un petit appart puis j'avais comme plus rien. J'ai reçu à souper. En fait, j'ai invité des amis à souper. Puis je me suis rendu compte la journée même que j'avais juste une fourchette. Génial. Il a fallu que je dise à mes amis de venir avec leur distance. Amène ta fourchette. Ouais. Wow. C'est ça. Mais c'était quand même la belle époque, tu sais. Non. Tu m'en parles des fois de cette époque-là, puis il y a eu des plus belles. OK. Problème que je résoudrai en sortant une chaise de la cuisine à l'extérieur. Calice. Gars, je vous explique. C'est, elle a juste une chaise d'or. Puis lui, il a réalisé, tu sais que les chaises dans le dedans peuvent aller d'or. Puis elle fait, ah. Oh. Super. Finalement, elle me mentionne qu'elle va me montrer des choses bizarres dans sa maison. Génial. A posteriori, je me demande pourquoi je suis allée chez elle. C'était un peu écrit... Parce que 19 ans, t'es un cochon. C'était un peu écrit dans le ciel qu'elle était, mettons, un peu particulière, mais bon, j'ai 19 ans et je veux get laid. OK, on peut-tu dire... Je peux-tu dire... Des amis, quand on va parler... Lui, peut-être qu'Étienne, tu vas être d'accord. Quand les femmes sont particulières, il y a une partie de nous qui fait... Ah, le sexe va être fou. Hey man, mais je me suis retrouvé à maner dans un fucking rituel. Puis là, j'étais comme, j'étais plus bien, mais j'étais comme, un peu comme tu dis, 19 ans, puis t'es horny. Excuse-moi. Wow, 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 wow.
Je pense que je parle pour tout le monde dans le théâtre, y compris Gilles Vigneault. On veut des détails. Gilles, il est là. Je suis dans un party chez quelqu'un, quelque part. Écoute, peu importe. C'est genre... Non, mais c'était dans le centre de Montréal, puis je suis dans un party, puis je rencontre une fille, puis ça clique. Puis comme, on retourne chez nous. Je suis comme, all right. Fait que, t'es pas... T'es là-dedans, hein? Puis oui, j'étais assez... je sais pas de nom, souvent. Mais j'arrive chez eux, puis là... Ils adorent voir les propriétés, tout le monde. Je suis comme, cool, tu sais, comme on jase, on va prendre un verre, c'est ça. Mais là, c'est comme, elle a aucune envie de me parler, mais elle a comme... Elle est après comme allumer des chandelles, elle crisse des affaires au sol, elle comme... Je suis comme, tabarnak, qu'est-ce que c'est que ça? Oui, puis une petite douche, elle met une espèce de musique weird, elle part la douche, mais elle va pas dans la douche. Là, je suis comme, tabarnak, comme, qu'est-ce que c'est que ça? Puis une petite douche, c'est dit, ça va être bon. Ben, il y a une partie de moi qui fait comme, mais je veux juste. Puis. Quand? He's on the clock! Non, mais c'est parce qu'à Mané, tu dis. Genre, mets-tu du parcours ou. Non, mais à Mané aussi, tu sais, parce que. Je veux pas. Je m'entraînais, tu sais, fait que je peux pas me coucher. Tu sais, je me couche à 1h ou 2 du matin, fine, c'est gérable pour le training du lendemain matin. Puis si là, à un moment donné, tu fais comme, Chris, il est rendu 3h. Là, tu fais comme, t'as vraiment... Ouais, c'est cool ta musique, tu sais, puis... Puis là, cool ta musique! Mais, non, mais à un moment donné, je fais comme, man, j'ai juste le goût de sacrer mon camp, mais en même temps, j'ai mis du temps, là. Tu comprends? Puis, très bien dit. Elle est vraiment cute, puis il y a une partie de toi qui fait comme, ça va être fucking wild. Mm-hmm. Ouais. Puis, ce l'était. Puis honnêtement, je l'ai pas revu parce que je trouvais le rituel très, très... C'est prenant. C'était prenant. Puis c'est qu'à un moment donné, puis je disais tantôt, je suis très, très transparent. Cette fois-là, j'ai pas dit que je la trouvais weird. J'étais comme, non, je te dis, il est fucking cool ton encens, là. Il était carrément, ah oh, oui, je capote. Eucalyptus? Ah oh, oui, oui. Fait que tu fais comme... Mais, fait que tu finis par embarquer parce que tu veux juste que ça aboutisse. Ben oui, bien sûr. Bref. Elle est sûre, les gars aiment tellement ça. Elle est aussi, les gars. Parce qu'il n'y a pas un gars qui ose dire que c'est fucking weird son affaire, tu sais. Fait que. Oh, c'est génial. Mais bref, tout ça pour dire que je m'identifie à ce jeune homme qui a écrit le courriel. Wow! C'est incroyable, ça. Ah, c'est incroyable. Oui, bravo. Merci la clap, tout seul. OK. J'arrive chez elle, on boit du vin et pas mal tout se passe bien. Elle est un peu weird, mais cultivée et drôle. Donc, on jase de trucs intéressants et c'est bien cool. Vers minuit, on rentre à l'intérieur, on écoute de la musique et on commence à s'embrasser. Éventuellement, on va dans sa chambre et on commence nos affaires. Très tôt, pendant qu'elle est sur moi, elle commence à me choquer doucement, puis plus fort, au point où je ne suis vraiment plus capable de respirer. La ligne est mince dans cette situation-là. Oui. Comme, choke-moi. Quel niveau? Ouais, ouais. Parce que je suis un athlète. Moi, je gagne ma vie. Il faudrait comme qu'on s'entende. Voilà. Oui. Puis ça prend un safe word, je pense. Mm-hmm. Oui, mais si t'es plus capable de le dire en c'est même temps, tu sais. C'est comme. La manée, la veine dans le front, puis la teint bleue est peut-être un signal. C'est ça, oui. Bon, no king shame, mais je rappelle que j'ai 19 ans, ça ne m'est jamais arrivé et je n'ai pas consenti. Je prends son poignet fermement et le tasse pour qu'elle arrête. Ça semble l'exciter davantage. Malgré cet incident qui m'a laissé perplexe, on continue. Environ 15 minutes plus tard, elle me chuchote à l'oreille. Va sur le sol en position de petit chien. Je veux prendre soin de toi. Wow! J'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Ça peut prendre deux avenues. Oui, mais il y en a une, dans le fond. Il y en a une. Je réponds. Qu'est-ce que t'entends par prendre soin de moi? Excellente question. C'est bien parce que c'est ça. Je veux des détails. Oui. Dans quoi je m'embarque? Laquelle des avenues? Elle répond. Je veux que tu sois mon chien. Je quoi? Je veux que tu sois mon chien. Oh, shit. Parce que. C'est une autre avenue, il y a une troisième avenue. C'est un prince à New York, là. Oui. Je veux que tu jappes, tout. Hey. Si, Je veux que tu sois mon chien. Juste mentionner, il a mal à la gorge, là. Il vient de se faire étrangler, puis il se fait dire OK, je comprends. Ça, c'était rough. On va être plus doux. Sois un chien pour moi. Tu vas te nourrir dans ma main. Mm. Je vais t'apporter un bol d'eau et je vais te flatter les cheveux. Elle me voit, passablement hésitant. Elle rajoute, puis si tu veux, il met parenthèse, je souligne cette tentative de consentement, fin de la parenthèse,
J'ai un strap-on dans le tiroir. Tabarnak! Moi, j'aime... Je vais te flatter, je vais te traiter comme un chien. Puis pour te convaincre, ça, je vais t'enculer. C'était l'élément pour convaincre. Oui. C'était comme la carte t'embarque... cachée. Hey! Oui, t'embarques pas avec ça, mais si, je t'en... ah, si tu m'encules dans ce cas-ci. Mais oui, je vais le faire. Je l'interromps. Non, désolé, je suis pas à l'aise. Bravo. Bravo. C'est respecté. Again, no king shame, mais je ne suis pas à l'aise de me faire sodomiser par une personne qui me demande d'être son poppy et que je connais depuis 3 heures. Puis qu'elle a juste une chaise, imagine. Ça, c'était... ça en avait deux peut-être, ouais, mais là... C'était une bonne parenthèse. Tabarouette. Ça m'écœure les gens qu'il faut qu'ils se lichent les doigts en tournant les pages, puis je viens de le faire 2 fois. Je m'excuse. OK. Je me rappelle qu'on est... Mais tu sais, le monde qui me rend... Puis là, ça laisse une trace de doigts sur la feuille, puis t'as passe après, puis t'es comme... Ah, où tu tiens pour que les gens ils se passent des feuilles? T'as passe après? Comme, qu'est-ce qui se passe? Ça fait 2 ans que c'est le COVID. Comme, où tu sais, ça marche pas ton affaire, là. Comme, change. Genre à l'école, non? Tu sais, quand, quand la prof, elle passe, hein, puis elle te donne une feuille, puis là, t'as ça. Non? Moi, je. Ouais, non. Ben, OK. T'as. De l'argent comptant. De l'argent comptant. Quand tu me fais payer en argent comptant. Oui, tout le temps. Tout le temps, mon amour. Je rappelle qu'on est dans le milieu d'une baise. Okay? C'est vrai, on avait oublié. Faut le rappeler, hein? Oui. Déstabilisé par ses souhaits que je devienne son animal de compagnie, le coït s'interrompt. À ce moment, les choses commencent à devenir weird. Ah oui, là, ça allait bien. Parce que clairement... C'était vanille, là. Mais oui, tout était bien chill avant hu-hu. Je le répète, parce que clairement, tout était bien chill avant hu-hu. Génial. J'adore cette phrase. OK. Elle ne parle plus et est couchée sur le dos à côté de moi. À boude? comme pas comme ça! Ou c'est comme un... C'est comme un time-out au foot. C'est comme caucus. Caucus! Qu'est-ce qu'on fait? C'est comment qu'on les attaque? Puisqu'il y a... Est-ce que des fois, il y a des faux caucus que vous faites semblant de parler? Moi, je pense tout le temps à ça. Je me dis tout le temps, OK, là, on fait semblant. Si on fait semblant de prendre du temps. Ou c'est tout le temps oui, important. Ah oui, des fois, ouais. Parce que des fois, il faut faire passer le temps avec les time-outs en fin de game, non? Ben oui, des fois, c'est pour casser le momentum c'est de l'adversaire. Mais fait que là, vous dites quoi? Vous dites, hey, là, on fait semblant de parler, mais en tout cas. Ben des fois, on essaie de détendre l'atmosphère un peu, mais moi, j'aimais ça en camp d'entraînement, quand t'es super essoufflé, comme tu poses une question au coach, vraiment comme inutile, mais dans le but juste comme de rattraper le mettre ton... en valeur. Puis là, pendant ça, là, c'est pendant 30 secondes, tous les gars sont contents, fait qu'on alternait des fois dans les questions. Mais peu importe, mais je suis quand même curieux de savoir. Brillant en stratégie, ou... Ben oui, OK, non, parfait. Les gars ont l'air de rien, mais ils sont brillants. Mm-hmm. brillants, les gars, là. Là, fallait y penser, là. On était soufflés. Nourris l'ego du coach, là. Ah oui. Il paraît que ça va pas bien. Raconte-moi ton interception, là. Ouais, c'est ça. Mm-hmm. Puisqu'il n'y a aucune chance que je dorme là, je lui dis que je porte mes verres de contact et que je ne peux pas dormir avec. Ça, c'est excellent. Mm. Ben oui, il peut pas. C'est drôle. Mais c'est normal. Il arrête, mais t'as raison, là. C'est comme, excuse-moi, là. Faut absolument que je mette mes verres de contact dans leur case. Puis le case est à la maison. Faut que j'y aille. C'est excellent. Wouf, wouf. Je devrais. Pour vrai, là, si quelqu'un me demande de son chien, je pisse dans ta chambre. Ouais. Tu veux jouer à ça? Mais, ouais. Mais peut-être que la personne va être très heureuse de ça. Ben oui, mais qui est perdant dans ce cas-là? Ben ça, parfait. Moi, j'ai pissé dans une chambre. Elle est contente. Parfait. Win-win. Win-win. Ben ouais. Après quelques secondes, elle me dit les larmes dans la voix. Get the fuck out of here. Elle est blessée. Oui, elle est blessée. Ouais. En me retournant vers elle, je constate qu'elle pleure en silence. Génial. Je me lève donc, vais à la toilette qui est située entre la cuisine et sa chambre. Faites à noter, on est en train de jouer à clous ici, ouais. Quasiment. Après le conservatoire. Pendant que j'y suis, je l'entends se lever, aller dans la cuisine et faire du bruit. Je crois l'entendre prendre un couteau. Oh, fuck! Les dates sont incroyables. Oh, mon Dieu! Je commence à avoir sérieusement peur et mon téléphone est resté sur le balcon calice. Après de beaucoup trop longues... Moi, dans la vie, là, ça c'est moi. Oui. Quand quelqu'un d'instable, qui m'a étranglé, qui dit qu'il voulait m'enculer, prend un couteau, c'est moins important mon cellulaire. Ouais. Étienne a couru pour moins que ça. Ouais! Après de... couteau. Couteau. J'entends, oui, merci, couteau. Je vais quand même entendre prendre un couteau. Je vais commencer à voir sérieusement, on a mon téléphone sur le balcon, calice. Lis tout de même.
Arrête beaucoup de longues minutes. Je la vois assise sur le côté de son lit. Je lui demande si elle est correcte et si j'ai fait quelque chose. Attends, monsieur. Qui a pu la... Elle est pas correcte. Tu peux pas l'aider. C'est la partie dans le film où c'est ça. Il y a comme une opportunité de te sauver. Puis tu sais, c'est pas comme ah, tout va mal, mais il y a trois phrases puis je peux la régler cette femme là. Je vais dire, t'es-tu correct? Ben oui. Oh, on m'a jamais demandé. Soudainement, je suis équilibré. Ben non. Tu peux pas, là. Elle ne répond pas. Elle ne m'a jamais remboursé son épicerie. Yo, le gars, il est là, ça, c'est le deal breaker. Mets ça dans la colonne des pertes, puis... Oui, bye, oui. Comme si j'ai acheté de la moutarde, c'est arrivé, man. Je suis reparti avec les aliments. Oui. Il est cheap, le gars. Mais faut y donner. C'est basé, là. Yes, boy. Fais-toi pas plaid. OK. Let's go, ma chérie. Let's go. Yes, boy. Je me suis fait une omelette en rentrant chez moi. Pardon, monsieur, man. Il est incroyable. Avec tous les aliments, tu sais. Tout. Les Cheetos, ah ouais. OK, je tiens tout de même à souligner que, malgré les apparences d'agression, je ne considère pas cette date comme telle. D'accord? Hein? Super. C'est ça la fin. Ça finit comme ça? C'est ça la fin. À la fin, il dit « j'ai pas été violé », même s'il a jamais mentionné. C'est super. C'est vraiment, c'est ça la fin? Ouais! Wow! Ben non, c'est ça. C'est incroyable. C'est magnifique. Ça, tu as vécu ça? Non, pis c'est correct. J'aime mieux pas... On a une date... T'as-tu du souffle, ma chérie? Oui. Ah, oui! On a une date d'une page sans aucune ponctuation. Ça commence par une majuscule, il n'y a même pas de point à la fin. Je sais que ça va te surprendre. T'as un gars qui l'a écrit. Et il y a une référence à « Do you look good? » Encore? Ma chérie, veux-tu prendre une grande respiration et lire ça? Oui, parce qu'il y a une différence majeure. Je sais que là, lui, c'est un gars, il écrit bien, là, mais quand les gars nous écrivent, c'est tout croche. Les filles, ils se relisent. Ouais. C'est des... T'sais. All right, stop. Collaborate. C'est pas vrai. Ça, t'as aimé ça, là. Ça fait genre 30 secondes que je la prépare dans ma tête. Voici ma date la plus bizarre qui s'est passée en 2015. J'étais okay, sur un site de On va demander au public. Je vais vous faire, qu'est-ce que vous préférez? Enfin, on va voter. Première option, Steph, met de la ponctuation pour qu'on comprenne ce qui se passe. Deuxième option, elle le lit comme c'est écrit. Comme ça... Ma chérie, let's go! T'as fait de l'attention? Voici ma date la plus bizarre qui s'est passée en deux. Je peux la rapper. Re-rap là, mon amour, let's go! C'est Missy Elliott, mesdames et messieurs. Get your free car, mon amour. Feet Étienne Boulay. My boy Boulay. Yeah, yeah. My boy Boulay, my boy Levac. Voici ma date la plus bizarre qui s'est passée en 2015. J'étais sur un site de rencontre qui s'appelait Do You Look Good? GWD. Good. Il était 22h45, une soirée bien normale où je chattais sur Facebook. J'ai apparu un message du site Do You Look Good. T'as le même flow que D-Natural. Pour vrai. C'est extraordinaire. Et je suis toute excitée de voir que quelqu'un t'intéresse à mon profil. Alors je regarde le profil de la jeune dame. Une femme extrêmement jolie. Alors je commence à lui parler. Oui, il y a du passé simple. Alors, je commençais à lui parler. Et suite à notre discussion, il y avait beaucoup de points communs et d'intérêts. Un vers l'autre. Puis, j'ai pas écrit un envers l'autre. C'est écrit un vers l'autre. C'est de la poésie. Oui. Ouais. C'est un alexandrin. C'est... Oui. Rhythm and poetry. Alors, on décida de se voir le D'autres passés simples. Ah, ben ouais. Elle vient chez moi, on parle. Et suite à suite... Ça a cliqué et nous avons couché ensemble. C'était magique. C'était magique. Mais c'est comme cute. Non. Non? Le reste, c'est OK. Oh. Et très, mais très agressif. Oh.
OK. OK, mais tant que c'est consentant. Faut le mentionner. Alors, on se reparle en soirée et elle me dit « Viens chez moi, mes parents sont pas. » Donc, j'arrive. Donc, c'est j'arrive chez elle. Oh! J'ai les fâchés, là. J'ai l'étonné. C'est écœuré. Donc, j'arrive chez elle et me dit « Aimes-tu le gros métal? » J'ai dit « Oui. » Pour me sentir intéressée par ce qu'elle dit et me dit « J'ai quelque chose à te montrer. » Elle commence par fermer la lumière et ouvre ensuite, après 5 minutes, je vois qu'elle est tout nue. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends rien. Elle est tout nue, mort. Je vois qu'elle est tout nue, mais pas du gros Rammstein. Donc, je me sens encore intéressée et éblouie par sa beauté. Mais tout d'un coup, elle sourit. Elle avait une prothèse avec des dents de vampire. Les jeux de rôle, moi, là, ça me fascine. Oui! C'est rappé, en plus. Alors, j'ai fait « bon ». Ça, c'est bien fait! Ça, c'est bien fait! Je me sens encore intéressée et on finit par coucher ensemble, encore une fois, et sans lui poser de questions, elle me dit que dans 25 jours, c'est sa fête. Dans 25 jours? C'est tellement... 25 jours! J'ai pas allumé. J'ai pas allumé. Encore là, je me sentais trop intéressée par ses tatous. Quoi? Mais il l'apprécie, hein? C'est bon. Je la trouve belle. Bon. Pour revenir à la « J'ai vu que dans 25 jours, c'était ma fête ». Aussi, j'ai fait « Hein, cool! » La même date de fête, elle fut encore plus cochonne. Quoi? Ils ont la même date de fête, puis ça l'a excité. Ah. Ouais, c'est ça. Excuse-moi, c'est pas ma faute, man. C'est ça, pareil. Ils ont la même date de fête, puis la fille, ça l'a vraiment excité. Tu sais, ça arrive souvent, là. Tu parles ta date de fête, puis la fille est comme, faut que je te prenne là, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Toi aussi, le 12 octobre. Fralalalala. Ça, c'était très Gilles Vigneault. OK. Il reste juste à moitié, gars. Et décida ce maître sa plus intense dans tous les coins de la maison. Et voilà, le jour arriva à notre fête ensemble. Nous passons... Attends, c'est bon! Il est passé une ellipse de « on baise dans sa cuisine, hein? Ouais, c'est notre fête. » Trois semaines plus tard. 25 jours, oui. En fait. Oui. Ah, mon Dieu! Yo, what the fuck? Yo, what the fuck? Yo, what the... Nous passons une belle soirée. On fête beaucoup de bars. Ah, oh, tabarnak. On fête beaucoup de bars avec un D. Okay? Beaucoup de clubs. Et on décida de me demander « Veux-tu venir chez moi? » J'ai dit « Oui, demain. » Ma pouvoir voir tes parents. Elle dit « OK, cool. » Donc, on couche ensemble, on se couche le lendemain. Je me réveille. Oh, j'aime ce gars-là tellement, man. Et au prochain premier ministre. Oh! Le lendemain, je me réveille et je vois sa mère qui me dit « Martin! » J'ai dit « Oui, vous me connaissez? » Elle dit « Ben oui! » »« Ben oui! » »« Ben oui! » Elle dit « Ben oui! » »« T'es le fils à ma sœur! » Ouais! Oh ouais! Oh ouais! Oh ouais! Oh ouais! On n'a pas rappé ça pour rien! Oh ouais! Oh ouais! 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 Sacrement! Ouais! Ouais, c'est une date d'inceste! Ouais! Ouais! T'as payé pour entendre ça! Ouais! Ouais! Ouais!
Ouais. Bonne fête! Bonne fête! Bonne fête! L'inceste! 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 T'as pas c'est pas là rien, j'ai ça. Fait. C'est là j'ai fait. Oh oui, a dit oh oui. Toi et ta cousine, vous aviez la même date de fête, mais pas la même année. C'est là ouais. que j'ai couru en haut et je rêvais ma date ou ma cousine. Pas où et que hey, on est cousins, a fait comme le saut et me dit. A fait comme le saut. A fait comme le Et me dit « Oh, oups! » Et on se dit « Ben, c'est ça! Hein? » Attention, je suis pas... Je suis pas ta cousine. Je suis pas si fucké que ça, finalement. Non! C'est correct, mes enfants. C'est correct. Attention, la finale. Deux tremblés qui viennent du lac, dont tous mal à l'aise. Je partais chez moi sans rien dire et décida de juste faire comme si rien s'était passé. Alors que je venais de me souvenir que mon père m'avait déjà parlé d'une cousine éloignée, qu'elle était la même date de fête que moi, mais pas la même année. Ça fut une drôle de date que je vais toujours me rappeler. Et merci à votre partage envers le monde. La chose la plus blanche que j'ai jamais entendue. Le rap de Steph, l'inceste, le blanc. Il y avait des dents de vampire aussi. Les dents de vampire, c'est très blanc, ça aussi. Tellement d'éléments accrocheurs. Oui. Ces deux-là, là, ils étaient avec les truckers à Ottawa. C'est sûr. C'est sûr. Je pense que c'est un des deux, c'est un des gars dans le spa. Là. Oh, merci. Merci de m'avoir écouté. Wow! Étienne, oh, est-ce que tu veux en lire une? Oui, ok, ben oui. Je le ferai pas en rappant, là, mais... Je sais que tu peux ça, pas topper ça. Elle est courte, puis elle est spéciale. OK. C'est-tu que c'est hard, ce concept-là? Titre. Lendemain de veille. Salut, vous trois. Voici ma pire date. Dans cette histoire, c'est humiliant pour moi, mais je m'assume et je trouve ça drôle maintenant. Il y a quelques années, je suis sorti dans un bar. Ce qui a débuté par un « tu sens bien bonne, toi. » Tu parles de ça, c'est une belle approche. « tu sens bien bonne, toi. » Quand je l'ai dit à Steph, ça l'a excité. C'est bon, ça. Tu sens bien bonne. C'est-tu que tu as dit à Maxime Lapierre? Moi, on se rappelle que moi, je dis « es-tu célibre comme approche? » C'est vrai. Fait, je veux ça dire, dépend de quel ton tu utilises, bon. Je pense. Oui, c'est sûr. Oui, il faut travailler le ton. Oui. Je recommence. Oui. Ce qui a débuté par un « Hein, tu sens bien bonne? » Ah, c'est bon, ça. Ouais, ça fait plus sain. Oui. Tu sens bien bon, c'est poursuivi par une conversation avec une fille qui a terminé par « Viens-tu chez moi? » Il est important de mentionner que j'étais très, très chaud, entre parenthèses, sous. Une chance qu'on a. Oui. En fin de soirée. Mm. Rendu chez elle, on a fourré et on s'est endormi. C'est vraiment écrit mot pour mot. On a fourré et on s'est endormi. Le lendemain matin, ouch, méchant hangover, un des pires de ma vie. La fille a dû se lever vers 8 heures, puis je lui ai demandé si ça lui dérangeait que je dorme encore un petit peu. Fait qu'elle a dit pas de trouble. Elle est revenue me réveiller vers midi. Oups, méchant loser. Je suis allé à la salle de bain et, ben oui, j'ai vomi. Je me souviens plus comment ni pourquoi, mais j'ai vomi partout sur son mur et autour de la toilette. Je filais tellement pas que j'ai juste pris sa serviette, j'ai tout essuyé. Puis je l'ai raccroché. Oh! Ensuite, je suis parti sans rien dire. J'imagine juste la fille quand elle a pris sa serviette en sortant de la douche. J'espère qu'elle s'en est rendue compte avant. C'est pas très, très gentil, je dois l'avouer, et j'ai honte. Mais bon, aujourd'hui, je la trouve drôle. Si elle écoute votre podcast et qu'elle se reconnaît, je m'excuse full. Le pire, c'est que c'est sûrement arrivé à plein de monde. Ben ça, je pense que ça doit être quand même commun. C'est ça. Plein de monde, genre ce gars-là, il fait ça à plein de monde? Non, je veux dire que comme... Cacher du vomi. Vomir chez quelqu'un. Puis essuyer avec une serviette puis pas le dire. Non. Ça se peut. J'ai là. Jamais fait ça. Je dis pas que tu l'as fait. Combien de fois tu fais ça? Non, mais dans les espèces d'affaires qui doivent arriver,
qui sortent, tu sais, qui sont pas, mettons, avec des dents de vampire, puis... C'est ça, ou, là. Ou, mettons, une couverte de Roi Lion. Ouais. Vomir chez une date, ça doit être dans la liste des affaires possibles qui arrivent. Mais on dit... Cache, puis essuie avec une serviette, puis il dit comme rien. Tu veux pas le savoir. Tu sais, c'est ta date, fait que tu veux avoir l'air cute, tu veux... J'ai souvent... Ah, je peux-tu le dire, ça? Hey, je me suis assez confié, Thomas, aujourd'hui, je pense que... J'ai souvent pissé dans un endroit qu'il fallait pas que je pisse, puis je l'ai pas dit. Chez le monde? Ouais, chez le monde. Dans un... Genre dans une salle? Dans une... Un... Mettons, la toilette est là. Oui. Pour vrai, la toilette est là, puis j'urine là-bas. Là. Ouais. Mais ça ouais. sent, non? Ça... Je dis que c'est chaud, genre. Ouais. Est-ce que t'essuies ou tu laisses la flaque? J'ose pas. J'ose pas? J'ose pas. J'ose pas, je me puis dis... dans un endroit visible ou genre entre non, la laveuse et la sécheuse? Non, non, on le sait, là. Ouais, ouais, ouais. Ah! Ouais, ouais. C'est malade. Moi, je faisais ça. Mais chez des dates ou chez du monde, comme des amis? T'es... Chez qui? Parce que qu'est-ce qui te poussait? C'est comme si t'étais déjà dans la salle de bain, mettons. Puis il y a un champ libre vers la toilette. Qu'est-ce qui te poussait à... Deux comme... choses. Premièrement, il y a l'alcool, puis oui. l'incapacité à mais... uriner au bon endroit. Ouais. Le deuxième, c'est... Son fuck... mari va savoir que je suis venu ici. Non, fuck les règlements. Dog life, c'est ça que ouais. tu dis. C'est juste pour ça. Mais oui. C'est fuck les. Mais c'est comme pas un règlement. C'est juste comme un. C'est comme... Pas tant un. C'est pas. C'est un autre qui dit pas ça le règlement. Un règlement. Non, c'est pas comme un savoir vivre ou tu sais. Ouais. Même pas savoir vivre, c'est la base de la base. Juste, ouais, tu sais, comme il y a un endroit pour faire ça. Puis... Ouais. Super, mon amour, merci pour ton... J'ai changé. Merci à votre partage envers le monde. Merci à votre partage envers le monde. Ça, c'est bien. Ça, c'est une date que je comprends rien. Ça, super. On va essayer de comprendre tous ensemble. Salut à vous. J'attendais ça, j'ai de voir ce que ça faisait de se faire lire ce qu'on écrit en pleine face avant de vous réécrire. Je sais. Oh, ça veut dire qu'il nous a déjà écrit... Peut-être. C'est ça, ça veut dire qu'il nous a déjà écrit, qu'on a lu sa date, puis là, il l'a vécu, puis il a aimé ça. Fait que là, il réécrit. Oh, c'est un kink. D'ailleurs, wow, ce Alexandre est un charme. Ah, oh, Alexandre Forêt, peut-être? Ah, oh, c'est peut-être c'est avec Alexandre possible. Forêt qu'on a lu ça. OK. C'est ça. Moi non plus. C'est mon podcast, il n'y a aucune... Ah, oh, non, mais il dit... Ah, je comprends. Je sais, c'est ça, c'est pour ça que j'ai écrit, je comprends rien. OK. OK. Je sais ce qui s'est passé. Et là, vous êtes dit... Ouais, Tom, il comprend rien, il est un peu niaiseux. Lis la date. Puis là, il y a deux phrases de lui, puis vous comprenez rien. Fait que c'est pas moi le problème. Il a écrit wow avec W majuscule, O minuscule, puis W majuscule. Peut-être qu'il voulait dire World of Warcraft. C'est pas impossible. C'est peut-être ça, là. C'est ça, t'as mené, c'est une mauvaise piste. OK, il enchaîne avec pourquoi mon nom, bah, ça rime avec salope. Il y a plein de connotations possibles. Ouais. Moi, je sais. Mais... Je sais pas c'est relié à quoi. Quelqu'un a dit c'est relié à quoi, je l'ignore. Faut pas l'aider, pas en psychose. Il est en détresse. Mais je ne pense pas avoir ramassé... Juste ben là! Mais je ne pense pas avoir ramassé les dégâts de mes frasques, consciemment du moins. Ouais, je sais. Je comprends bien, Thomas, de vouloir m'inviter. Je suis en gentil... En pensant crier dans un théâtre, il est en psychose, t'as l'air en psychose. C'est juste... Mais quand t'es au secondaire, ouais. Puis il faut que t'écrives un texte. Oui. Intro. Développement. Ouais. Conclusion. Là, on est où? Ben. Je sais pas. La récréation. Ce que je comprends, là, c'est comme la section où est-ce que. À nous... C'est pas la date, là. Elle nous parle comme. C'est un gars, je pense. Oui, c'est le sujet amené. Je comprends bien, Thomas, de vouloir m'inviter. C'est comme une intro pré-date. J'aurais pas dû lire. C'est épouvantable, mais je veux. Mais c'est drôle. On a tout du fun. Ah, oh. On a du fun. Ouais. Un peu. Je comprends bien, Thomas, de vouloir m'inviter. Je suis gentille et vraiment touchée. Mais quelques personnes de mon entourage me comparent à l'énergie de Thomas. Je ne crois pas fait que, ça, elle est moins, que nous mettre les deux en contact puissent être endurables ou agréables pour le commun des mortels. À ce que je sache, Stéphanie est mortelle et je l'aime trop. La dette de vampire? C'est quoi? Rappelle-moi, mais non, quoi? Il écrivait vraiment mieux, le gars de la dette de vampire. Oh, c'était en rime, c'était fou. Peut-être là. Quand ma psy m'aura calmé, ha ha ha, wait for it.
Sinon, si tu veux vraiment m'inviter à quoi que ce soit, fais le bouton reply, ça va bien aller. Alors voici le next one, 2 points. Là, la date commence. Mais je vous ai averti. Moi, je mais c'est une menace, j'ai peur. OK, bon. La date s'intitule « Entrée par effraction avec consentement ». Point d'exclamation. Point d'exclamation, j'aurais dû le dire autrement. « Entrée par effraction avec consentement ». J'animais dans un musée une projection historique et un client restait séance après séance. Pourquoi elle a soudainement assez écrit? Ouais, c'est vrai. Le soudainement, ça marche, salut. Concis. Oui, tu dis, hey, j'animais un endroit, c'est ça l'endroit, c'est ça mon rôle. Comme je me doutais, à la fin de ma journée, il m'attendait à la boutique et me demandait s'il pouvait accompagner ma route avec un accent français franchement joli. C'est redevenu. On est retombé. Il m'attendait. Oh, il. OK, génial. Donc, je me dis, un touriste en recherche d'une Québécoise fraîche. Il n'est pas prêt. Je sais pas, moi non plus. Car son poisson est une Gaspésienne et elle a mordu. Oh, shit, il a dit que c'est pas éthique. Là. Elle a dit que c'était un poisson. Oui, oui. C'est autoproclamé. Elle a dit que c'était un poisson. Ah, tu sais, on se demande tout le temps, mais quel genre de fille tripe sur les gars sur Tinder avec des poissons dans les mains, puis c'est... Elle! C'est hilarant, ça. Ça, c'est hilarant. Tu sais, comme, s'il continue à le faire, c'est parce que ça marche. Ben oui, je sûr. Bon. Alors, mon retour à la maison se transforme plutôt en tour guidé de la ville, teinté de vin, baguette et fromage, vous devinerez bien. On n'a pas deviné ça. Non, je l'avais pas deviné. Vraiment, zéro vu venir. C'est pas là que ça se... Non. Parce que les Français mangent juste ça. À un moment, nous montons sur les toits du quartier, qui sont tous reliés, et nous remarquons qu'une fenêtre est ouverte sur un appartement studio qui appartient à un hôtel. Ah non, elle est dans un hôpital psychiatrique, puis elle mange ses excréments, là. C'est pas arrivé, là. C'est pas arrivé. Puis elle hallucine, puis c'est correct, là. C'est pas arrivé. Ça fait, j'ai l'impression... On dirait des Aristochats, là. C'est pas, là... C'est pas arrivé, là. On dirait un film de Disney des années 40. Ils mangent un spaghetti puis ils finissent avec la même pâte. C'est pas ça, là. Arrête, là. Il y a un gros chat qui va jouer de la contrebasse, là. Ça va, là. Mais parce que là, il était dans un musée. Ouais. Là, paf! Tour de ville, vin rouge, baguette. Ouais. C'est un là, poisson. Là, ils sont sur le toit. Ouais. Ouais. Appartement studio. De toit en toit, appartement studio. Okay. C'est une Yamakasi. Elle fait juste sauter. Puis... Client semble absent. C'est pas Yamakasi, c'est quoi le nom, le ceux qui sautent? Ouais, c'est ça. C'est ça. Comment? Yamakasi. J'ai dit la bonne affaire, puis j'ai fait une pause pour rien. Ouais. Merci. Who knows? Oh, mon Dieu. Who Client absent, un no-show. Who knows? Don't care. Je comprends rien. Ouais. Je sais. Non, parce que dans le fond, c'est qu'ils ont vu le studio. Il y a personne dedans. Personne dedans. C'est ça. Fait qu'ils savent pas pour quelle raison. Puis ils s'en foutent. C'est ça. Traduction littérale. Merci. Ça, c'est brillant. Oui. Oui. Nous entrâmes. Ah. Oui. Ah oui, pourquoi pas du passé simple? Tu maîtrises rien dans la langue française. Va dans le passé simple. Nous entrâmes par le châssis ouvert pour se consumer dûment dans cette chambre impromptue. OK, qui croit que c'est vraiment arrivé? C'est ça que je me dis. C'est juste... Qui croit, par contre, aujourd'hui, prend beaucoup de pilules? Ouais. Après notre départ, nos discussions s'enflamment et j'ai envie de souiller tous les quartiers possibles, ce que l'on fait au gré des parcs, des cours arrière, comme moi, à pisse. Des jardins privés. Fait que là, ils sont plus dans le studio, c'est ça, ouais. Tu comprends? Que... Ah, je peux-tu vous dire quelque chose un petit peu trop tôt qui va peut-être... Il n'y a pas de punch. Même si ça veut juste finir. C'est extraordinaire. Bref, pour nous rendre chez une amie que je sais un peu hollée, nous sommes rendus en matinée, je cogne et ses parents m'ouvrent. Mon amie dort encore, point d'exclamation. Je prétextais une marche matinale avec un ami et l'intention de prendre un café avec sa fille et sortir en plein air, tout à fait notre genre. Alors, il nous laisse accéder à la chambre au sous-sol. C'est ainsi que nous réveillâmes doucement et intimement cet ami en demandant son consentement. Entre parenthèses. Entre parenthèses. OK, excusez. Mais comment tu fais ça? Hey, veux-tu faire un trip à trois avec un Français? Consentement.
De rien, les jeunes. Je suis là pour vous. Pour agrémenter sa matinée. Ensuite, nos chemins se sont séparés. Mais un souvenir reste de ce moment fantasmagorique que jamais, qui jamais n'aurait pu être imaginé oui, dans imaginé. Le plus fou de mes fantasmes. Lido. Merci pour votre belle écoute. Wow. Lido. Elle a fourré dans un jardin et il y avait un trépadro. À passer, il y avait sûrement un pompe à pénis là, parce qu'ils ont fait beaucoup l'amour. pour toffer dans tous ouais. ces endroits. Là. Ouais. Ou une baguette, ça peut être utile. quoi? Une quoi? Une baguette. La baguette. C'était une épopée, ça. Ça sonnait très faux. J'avais l'impression de lire comme Fifty Shades of Grey. C'était pas bon, hein, ça? C'était pas super. C'était pas super bon. Ça, je pense que c'est vrai. Bonjour! Voici mon histoire de date. À une certaine époque, j'ai eu le cœur brisé par un homme et j'ai décidé de multiplier les rencontres sur les réseaux sociaux pour me prouver que je valais mieux. LOL! Je butinais d'une date à l'autre. J'ai matché avec un gars sur Tinder, appelons-le Narcisse. Anyway, je ne me souviens pas de son nom et vous verrez plus loin, c'est un bon surnom. Merci. Il était cute, semblait drôle, il avait à peu près mon âge et n'habitait pas loin. On s'échange quelques textes, il a un sens de l'humour assez grinçant et on décide rapidement de se rencontrer. Il me donne rendez-vous dans un bar, pas très loin, dans un quartier branché. Qui parle de même? J'arrive un peu avant l'heure prévue. J'indique au barman que je suis sur une première date et que je suis un peu nerveuse. Il rit et me dit que si j'ai l'air en détresse, il viendra à ma rescousse. Déjà, j'avais un drôle de feeling pour la date. Premier red flag. Mais il n'y a rien fait. Gut feeling. Il n'y a rien fait. Premier red flag. Je me sens pas bien. Je suis nerveuse. Oui, je suis nerveuse. Mais là, ouais, ouais. Premier red flag. Je suis nerveuse. Narcisse arrive en retard, environ 30 minutes. C'est beaucoup. Ouais. Oui. Pour une première date. C'est... À partir de quand est-ce que tu quittes? À partir de combien de minutes tu quittes? Jamais. Tu restes de même. Si ça ferme, tu t'en vas. Mais j'ai rien de mieux à faire. Anyway, donc j'attends en prenant un verre. Lorsqu'il s'assoit, je réalise que c'est un moulin à paroles. Je ne peux pas placer un mot, sauf lorsqu'il me demande des questions sur mes études, mon travail, etc. Fait que rien de pas. Finalement, il y a quand même... C'est comme... C'est quand même une discussion. Il y a rien de mieux qu'une personne qui dit, mettons, « Yo, mon ex, c'est vraiment toxique. » Ah non! Puis tu poses des questions, puis tu réalises des choses comme... Ben, il se ramassait pas. Puis il arrivait des fois en retard, puis il aimait pas ta mère. Puis tu fais, c'est pas si c'est toxique, vraiment. Là. C'est juste, il l'aimait plus. T'sais. Lorsque j'essaie de discuter un peu plus, il m'interrompt en me disant, « Attends, hold that thought. » Moi de moi. Attends, excusez-moi. Il m'interrompt en me disant, « Attends, hold that thought. » Moi de mon côté, trois petits points. Je sais pas ce que ça veut dire. Ma chérie, à chaque fois qu'il parlait, qu'il disait quelque chose, il disait, hold that thought, moi. Ah, ok. Oui, t'as un gars qui dit, à chaque fois que tu dis quelque chose, non, moi. Mais moi, non, moi. Ok, évidemment. Moi aussi, il est le même. C'est même, il touche l'avant-bras pour te couper. Ah oui, il fait ça. Ben là, plus là parce qu'il est fatigué, là. Puis vieux, mais à une époque, il faisait ça. Ah ouais, ok, bon. Pourquoi est-ce que moi, c'est devenu un ressentiment comme cet homme-là? Évidemment, second red flag, mais il est cute. J'ai le cœur brisé, je n'ai rien de mieux à faire que de rester. Il se vante de ses voyages, ses études, sa vie à Québec, ses amis. Il me dit qu'il a des Personne super... Personne se vante de sa vie à Québec. Personne, red flag. Ouais. Je chill avec Jeff Fillion, je sais pas, là. J'ai vraiment des bons mollets à force de monter les côtes. Il me dit qu'il a des super talents de massothérapeute, qu'il réussit tout ce qu'il touche, etc. Ça finit évidemment par une proposition à voir son appartement qu'il partage avec des colocs. Comme il n'a pas d'auto, je lui fais un lift, entre dans le noir, il me montre sa chambre qui est remplie de plantes et de boutures et me propose un massage. OK, pourquoi pas? Le fun! Il me masse rapidement, en n'arrêtant pas de se vanter de ses talents. Ça, c'est bon, man. C'est quoi? Fait que c'est comme... je suis bon. Ouais! Là, ça te fait du bien. Ça, c'est tes ischios. Ah, ouais.
OK. On finit par baiser. OK. Une baise rapide du genre mardi soir quand ça fait 7 ans que t'es en couple. Il me demande si je suis venue. Yo, ça, c'était méchant. Il me demande si je suis venue. Je lui dis que non. Il fait OK. Acknowledge. Ça, c'est extraordinaire. Es-tu venue? Non. OK. Ben, gars, ça arrive. On va pas te shamer, madame. C'est pas comme si je peux faire quelque chose. Je lui demande c'est quoi le trip des plantes. Il y en a vraiment beaucoup. Il me dit que c'est sa façon de jouer à Dieu. Il aime donner la vie. Yo! Il aime donner la vie, il n'a pas donné l'orgasme. Oh! Oh! Je finis par quitter sans dormir sur place. Le lendemain, il me texte des blagues. Je souris un peu. Des blagues, les siennes, où genre, il envoie des mimes de genre Comique Québec. Crie pas un monstre avec Comique Québec. Là. Je souris un peu. Je n'ai pas vraiment l'intention de le revoir, mais bon, je le fais quand même. Il m'invite à souper chez lui quelques jours plus tard. Je lui dis que j'arriverai un peu plus tard quand je finis de travailler. Il m'envoie des photos de sa préparation culinaire. Il a fait une croix gammée avec les pâtes. Tabarnak! Je trouve ça drôle dans le sens troisième degré. Je quoi? N'aime. Il n'y a attention. Pas un degré aussi drôle. Non, mais la phrase est extraordinaire. Je trouve ça drôle dans le sens troisième degré. Je n'aime évidemment pas les nazis. Ça a enfin été prononcé cette phrase à couple ouvert. Je n'aime pas les nazis. Évidemment. Évidemment. Je n'aime évidemment pas les nazis. C'est extraordinaire. Il me texte des propos antisémites, genre race aryenne. Génial. Là, je commence à me demander s'il niaise. Oui, il est sérieux. Il niaise sûrement. Je me rends souper chez lui. Il n'arrête pas de parler. Un gars qui te fait pas venir nazi, c'est fini. Là. Sacrement. Venez là. Mais ça, il me baisse comme il faut. C'est malade. Il masse. J'ai plus mal au dos depuis 5 ans. Il est antisémite, tu fais... Personne n'est parfait. Mais là, si tu fais pas venir, il te masse tout croche, pis dans ses mythes, tu fais « Hey, ciao, bye, j'ai enfin une porte de sortie. » Oui, en plus, les thèmes de toutes les histoires, c'est « T'as une porte de sortie, prends-la. » Ben oui, c'est vrai, c'est ça. C'est vrai, comme dans les films d'horreur, tu sais, cours pas vers le haut. Non. T'as la porte de sortie, là. Je me rends souper chez lui, il n'arrête pas de parler, la bouffe est ordinaire, en plus d'être placée dans une forme bizarre, n'est-ce pas? Il a un restant de bouteille de vin à passer qu'on boit ensemble. Il passe le reste... Veux-tu un verre de vin? J'ai ouvert une bouteille il y a 2 jours à Drain, dans le fond du frigidaire, à côté du lait, si tu la cherches. Là, il passe le reste de la soirée à jouer à un jeu vidéo et à se vanter qu'il est bon. Oh, wow! Ça, c'est extraordinaire. Oui, ça, c'est bon. Mais veux-tu me voir être bon à FIFA? Je bats des enfants en ligne, c'est malade. Encore une fois, un mardi soir de vieux couple. Je sais pas si c'est... Quel couple? Je sais pas, on fait pas ça, nous autres. À un moment donné, je lui dis que je vais partir. Il veut baiser avant. Une petite job de 5 minutes. Et je quitte, me disant que ça n'ira pas plus loin. Je l'ai revu une autre fois par la suite. Ben voyons, je sais. Là, pour... Shame on me. Je vais le chercher pour l'emmener chez nous et qu'on soupe ensemble, c'est le week-end. Il n'arrête pas de parler de lui. Il m'indique qu'il a déjà fréquenté une psychologue qui lui a dit qu'il avait un trouble narcissique. Super. Là, les red flags commencent à être visibles. Commence? Mais... Oui, ça commence. Ouais. Le signe nazi dans l'assiette, c'était pas comme un... Non. Il me dit qu'il se gère bien. Il n'a pas besoin de thérapie. Génial. Ça, tu sais que t'en as pas besoin. Quand tu dis à des gens qui t'ont rien demandé, j'ai pas besoin de thérapie. Ah, super. Je t'ai demandé pourquoi t'as des croix gammées chez vous. Tu me réponds, j'ai pas besoin de thérapie. Super. Il a un party le lendemain avec des amis, mais qu'il ne peut pas m'amener. OK, whatever. Je n'avais pas prévu ça, anyways. Ouais, elle a pas aimé ça. Non. Whatever. Okay, whatever. Whatever. Whatever, man. M'en fous. Je suis pas occupé, de toute façon. J'ai le temps. C'est sûr que je peux attendre une demi-heure dans un bar qu'un gars se prête. Faut l'occuper, là. Il m'annonce, comme s'il me faisait un cadeau ou une faveur, qu'il va dire à ses amis qu'il a rencontré quelqu'un. Mm. Ça, c'est... En tout cas... Vas-y. Ben non, mais tu sais, c'est comme... Je vais parler de toi à mes amis, là, tu sais, je vais dire comme ça, t'es spécial. Ah, oh, ouais, t'es tellement fin, puis t'es même pas là. Je peux pas t'inviter, mais m'a parlé de toi. Mon Dieu, c'est la... Genre, j'ai tellement pas d'affection que c'est la chose que je peux... Ça, c'est une vraie blessure.
C'est quelque chose. Que tu nous exprimes, c'est une vraie blessure. Je parle pas de moi! C'est une vraie blessure. Je parle pas de moi! Tabarnak! Ça, ça venait de loin, ça venait d'ici, là. Je vais te dire que t'es importante. OK. Il m'annonce, comme s'il me faisait un cadeau, une faveur. OK, c'est ça. Je me dis qu'il est vite en affaire. On a eu juste deux baises, plus qu'ordinaire, mais bon. Il en rajoute en me disant qu'il ne veut pas avoir l'air loser en disant qu'on s'est rencontrés sur Tinder. À la place, il va dire que j'ai échoué les examens d'entrée dans ma profession il y a 2 ans et que je l'ai rencontré à Québec alors que j'avais un travail d'été. Il aurait tellement d'autres options que celle-là. Comme espèce de... On s'est rencontrés au restaurant, ou comme par hasard, on a un ami en commun. Non, tu vas avoir échoué tes tests d'université. Qu'on s'est revus récemment. J'aime que c'est loser ce qu'on se rencontre sur Tinder. Fait qu'on va dire que t'es une ratée. Qu'on s'est revus récemment et qu'on est tombés en amour, il a élaboré une grosse histoire. Je pars à rire et vois qu'il semble bien sérieux dans ses propos. Il me demande pourquoi je ris. J'ai de la misère à saisir s'il niaise ou pas. Évidemment, je lui dis que ça ne fait pas de sens, je n'ai pas échoué d'examen et j'exerce ma profession. On s'est juste vus 2 fois et que c'est une bien grosse histoire pour pas grand-chose. Il n'en fait pas de cas et me regarde faire à souper, assis avec un grand verre de vin qu'il boit comme si c'était le plus grand cru du monde. C'est extraordinaire, elle l'haït tellement. Là. Mais elle l'haït, pas capable de pas le voir. Oh ouais. Oh, mais tu sais, c'est un gars qui regarde genre la robe du vin, puis genre, pis ça c'est un fût de je sais pas quoi. Puis il l'a acheté au IGA. C'est un Wallaroo Trail, des notes de pêche. À un moment donné, il se lève, me serre dans ses bras alors que je suis devant la cuisinière, occupée à lui faire à manger, et me dit « Ah, oh, je suis content. On va avoir de beaux enfants ensemble. Tabard. On est 2 belles personnes et on est plus intelligents que la moyenne des gens. » C'est très arien, ça. C'est très nazi. « On va aider l'humanité. » Il est nazi pour vrai. Il est arien. C'est là. Vrai, il est nazi pour vrai. Je pars à rire. Qui? Hey. Pour montrer des affaires nazies, puis on va faire des jokes antisémites. Ça, c'est une manière de savoir, hey, moi, je suis là-dedans. Toi, t'es-tu là-dedans? Je pars à rire, il fronce les sourcils, l'air embêté. Ce n'était pas une blague. J'avais un peu bu, il n'a pas d'auto. Je me dis, fuck off, demain, tu t'en vas et that's it. On ne couche même pas ensemble. Il passe la soirée à parler de lui. Et quand je tente de participer, il me refait le coup du hold that thought. Je finis par m'endormir ben saoul. Je me suis fait un petit jeu de boire une gorgée à chaque fois que ce qu'il disait faisait pas de crise de bon sens. Ça, c'est drôle. C'est bon, ça. Pendant qu'il est encore en train de parler, le lendemain, il ne semble pas faire de move pour partir de chez moi. Il fait la grasse matinée en jouant sur son sel dans mon lit pendant que je fais la vaisselle et ramasse un peu. En fin d'avant-midi, je lui dis « Bon, ben, j'ai des affaires à faire, faudrait que tu t'en ailles. » Il me demande un lift pour aller à l'épicerie et à la pépinière pour acheter de la terre pour ses plantes. Elle dit oui. Comme une conne, je dis oui. Elle dit oui. Je l'accompagne tout le long. On va faire des commissions avec le nazi. Je l'accompagne tout le long. Il chiale contre les commis en les traitant d'incompétents. Je le ramène chez eux avec ses commissions. Plus tard dans la journée, quand j'ai fini de faire le taxi pour Narcisse, je lui texte pour lui dire « Ouais, je pense qu'on va en rester là. » Il me répond un long texte. Il ne comprend pas comment il ne peut pas être assez bien pour moi. Je lui dis qu'il me fait trop penser à mon ex, ce qui est un peu vrai chez mon ennemi. Il me répond et il me dit qu'il ne comprend pas c'est quoi le problème. On ne s'est pas revus, mais j'écoute un peu plus les signes et j'ai genre une croix gammée dans une assiette. C'est commencé tout ça par... Je comprends pas. Ça a commencé par être arrivé une demi-heure en retard. Je ne prends plus pour acquis les gens qui me font rire. Hein? Prends plus pour acquis que les gens qui me font rire le font intentionnellement. Je ne comprends pas. C'est pas clair, ça. Je ne prends plus pour acquis. Elle est blessée. Elle est blessée. Ouais, je ris de quelqu'un à terre, t'as raison. C'est ça la fin. C'était des beaux partages. C'est des beaux partages. Oh, Lynn! Mais les gens se livrent à vous. Oui? Les gens se livrent beaucoup, oui. Oui. Des fois, en effet, on ne peut pas tout lire ce qui nous est envoyé. On lit la majorité, on lit toutes. Non.
Ben non, là. La date super raciste l'autre fois, là. Pourquoi t'as dit ça? Ben c'est ça pareil! C'est ça pareil! C'est arrivé une fois, c'est un peu raciste. Mais c'est arrivé une fois, ça. Je comprends. Mais il y a aussi des dates grossophobes. Souvent. Non, au début. C'est vrai. C'est fini, là. C'est vrai. Notre public a évolué. C'est vrai, t'as raison. Pas nous, mais notre public a évolué. Mais oui, ouvrir la boîte courriel, c'est toujours une aventure. Tabarouette. Au début, c'était censé... Pour vrai, c'est pas une joke, c'était censé être une tâche au stagiaire. Steph m'a dit, il va pas survivre. Il va pas... Ouais. Mais ça, on s'est dit, on devrait faire lire les dates, tu sais, parce que des fois, on les choisit puis tout ça, ou un ou deux. Puis là, on s'est dit, on devrait faire lire les dates aux stagiaires, puis là, il va juste nous mettre des mots-clés pour les résumer. Comment tu résumes ça? Ben ça, c'est... Nazi, pâte, red flag. Nazi... Ça, c'est une saison complète d'une émission sur Netflix, parce qu'il y a comme eu plusieurs épisodes. Ouais. Nazi, narcissique, pépinière. Pas de ponctuation. Cousin, rap. Ah, mais moi, j'aurais... Ouais, pas de ponctuation, deux tremblés, cousin. Yes. Ça, vampire. C'est The Natural. Vampire. What the fuck? Étienne, c'est déjà la fin. C'était extraordinaire. Merci. Yeah! Mais vous savez, je suis impressionné par votre public. C'est vraiment... Je trouve ça vraiment cool. Merci. Les gens qui interagissent puis qui embarquent dans toutes ces folies-là, là, c'est bravo. Merci beaucoup. Ben, merci à vous autres. Merci à vous autres. Applaudissez-vous, s'il vous plaît. Applaudissez. C'est incroyable! Le théâtre Gilles Vigneault. Incroyable. Toute l'équipe du théâtre. Je l'ai dit sur les réseaux sociaux, mais je le redis ici. J'en reviens pas qu'on est dans un gros théâtre. C'est incroyable. Vous êtes hallucinants. Merci à toute l'équipe. Et on sait pourquoi c'est arrivé et qu'il faut remercier. Halla. Merci, Halla, qui... tout est possible. Ouais. Halla. Merci. Merci. Là, ça peut. Il est grand. Non, la bêtise, non. Étienne, on suit ton podcast Chiller chez Boulay. Ouais, ouais. T'es à l'antenne de Weekend également. Atypique. Atypique dans les IGA. On est disponible. Parfait. Puis, ben merci beaucoup. Merci. Et on lit le Coran. Merci tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée. Ça va être incroyable.